Troisième section communale, c'est une organisation diaspora qui mettait tête ensemble pour faire côté au sorti en belle. Au même diaspora qui Brésil, Chili, Canada, États-Unis, la France et la Trier, je l'ai dans 240-707-51-46 ou bien 772-475-13-33 pour qu'à rejoindre le groupe Lagonaf Papéri. Pablier, c'est pas l'État haïtien qui a fait travail là. C'est nous qui mettons nous ensemble. Mais non, mais Lagonaf Papéri. Oh, pasteur, à qui mon groupe là? Ah, on t'y boule m'a joué là, oui. Non, pasteur, Max a aussi perdu du temps. C'est un ange de Dieu pour jouer boulou. Ange de Dieu, c'est surprise sur surprise, chaque jour, pour chaque client qui gagne. Eh bien, on n'a pas besoin de continuer à jouer dans notre banque. Ça m'a dit là, oui. Avec ange de Dieu, non seulement on va gagner plus facile, mais en plus de ça, on va jouer en pile surprise. C'est essayer pour essayer, et puis après, ça ange de Dieu, c'est rebou. Gloire à Dieu. Eh bien, ange de Dieu, ça, c'est un bagage normal. Oui, pasteur, ange de Dieu, ça, c'est une la manne du ciel. C'est jouer, pas jouer là. Où sont la manne du ciel? On va jouer une bambolette ange de Dieu dans tout pays. Là, on gagne, pas oublier de ses prises ou à. Ou à saisir les gens, ange de Dieu, c'est un bok normal. Mes amis, économie mondiale change. Ou même, ou doit changer stratégie. Comment? Pour former tête, pour faire l'argent, pour aider famille, spécialement après pandémie coronavirus. La. Forex, c'est le plus gros marché financier dans le monde qui sait. Acheter l'argent, vendre l'argent sur Internet. Il y a environ 6,8 trillions de dollars qui brassent sur maquette là chaque jour. Si vous avez aimé connaître comment pour apprendre trade Forex avec téléphone qui n'en met en l'an ou bien computer qui n'en met en l'an, quel que soit côté où est dans le monde, ou qu'à apprendre à faire l'argent dans grande industrie ça. Ou qu'à travailler la caillou, ou pas besoin ni office ni employé pour faire succès. Pendant ou à pas prendre comment pour trade là, il y a plusieurs options pour faire l'argent. Pour plus d'informations, ou qu'à contacter par téléphone ou par WhatsApp à son Denis ak Elni Siméon dans 254-669-99-95. T'aime répéter. 254-669-99-95 ou par email haitifx@gmail.com. Fais l'argent à téléphone. Ça que t'as dit ça. Restaurant Gria de Piscay poté pour nous yon nouveau menu. Menu ça, son menu coupé d'ouette. Wap jwenn, griot, cabrit, poisson, poulet, chakabana, aile de poulet, pizza aran. Tout ça ou konne ki gen nan menu haïtien nan ki bon. Wap jwenn ni nan Grillade Piscay Restaurant. Passe ouen nou nan 5570 Jean Talon S. Point de la Cordère. Ou bien, rele nou nan 514-322-2000. Nap ton nou. Mes amis, famille, on font un transfert pour sinon la référence pour aller chercher Kobo. Papi, je ne vois pas service, un petit Kobo, j'en ai envoyé. La référence multi-service, pas n'en pas problème. Faites qualité service, bon babé chop pour chever ou accompagner avec un bon stock pour gérer fraîcheur. Nous qui mon cash tout, discrétion, sécurité, transfert. La référence multi-service. Si la malle la référence multiservice, nous pas n'envie. La référence multiservice, là où la classe est inacte. Un seul endroit et un nom unique, mais à deux adresses. Numéro 9, rue Metellus Pétionville. Numéro 30, rue Darguin Pétionville. Téléphone 4250-3264. Passez nous voir. Nous pas n'envie. L'amitié, ou dans Florida? Ou besoin acheter ou vendre caille, moi vinn présenter un Unide Mondésir. Ou pas besoin peur pour relé, li là pour l'expliquer toute procession de commencement jusqu'à la fin. Ou besoin vendre caillou, Unide Mondésir avec toute équipe li a make sure ou vendre caille ça pour bon prix. Gaï nouvelle là, Unide Mondésir ka edo chercher tout caille rêve. Dans cas ça, moi présente un winter sérieux dans la cour Florida. Buying or selling li ka edo en bon anglais chicken help you.
Contactez-nous 407-556-4631 407-556-4631 or Unid Mon Désir Facebook, Mon Désir Wilter Instagram. Zami, pas worry about crédit. Nous avons fait 20. Achetez caille Unid Mon Désir. Vous savez, je t'avise déjà. T'es au contour. Lele Kounia pour acheter ou bien vendre Kay Paola. Blaka blaka. Survival location. Enzile Chiblié. Survival location. C'est là où j'aime toute plus belle machine, yo et qui vine. Big gros ma machine à pibo fin bague et bague. Yo pas ben mon, yo pas ben choc, yo pas ben la boue. Si c'est pour location, pas hésiter, checker nous. Survival. Et du service provision alimentaire. En gros en détail avec nous, bague mon frère. Survival. Où ne plaît au gang déjà en Haïti. Ou adresse checker numéro 50 là. Directeur l'autre léger, elle dit fait dit non. Ou capable checker sans perdre du temps. Survival. Pour contact. Ou capable relé dans 37 60 71 17 40 84 76 76 561 635 31 51 Survival Mekata ou neuf Léogan Survival Location Enzile Chiblié. Produit Blackjack vin sou marché a li vini tout numéro F pour nous capêcher vos belles pour chez vos rétents santé que chez vos t'apprend poussière Blackjack c'est un anti poussière qui capable détruire tout microbe qui capable faire pas gain bon cheve. Oublé bouclé chez vous, oublé retirer cap, oublé faire pididi, oublé chez vos longues. Yon paquet produit Blackjack toujours humain. Alors rigolo, pas la peuple là non men. Yes, yes, on jeune garçon, paquet Blackjack pour galer poste, pour galer chelbe, fais confiance, l'on parle avec tout le monde, y'a tout, hey, Black, pack up les sous Jack, Blackjack. Et pas chouette non, on jeune produit Blackjack dans tout magasin, dans toute maquette, dans tout studio de beauté, barbershop qui respecte tes clients. Pour toute commande, relève notre 32 00 35 18 37 63 95 95. Blackjack, your seul pays, your seul produit. La Gonave, pas péri. La Gonave, tout doux. Grand Source, 3e section communale, c'est une organisation diaspora qui mettait tête ensemble pour faire côté au sorti en belle. Ou même diaspora qui Brésil, Chili, Canada, États-Unis, la France et la Trier, relé nan 240-707-51-46 ou bien 772-475-13-33 pour qu'à rejoindre groupe La Gonave pas péri. Pas oublier, c'est pas l'État haïtien qui a fait travail là. C'est nous qui mettons nous ensemble. Mais non, mais La Gonave pas péri. Après plusieurs années, All-in-One Global Services a servi communauté en assurance, income tax, notarié papier, traduction documents et la trie avec satisfaction. Raymond Jean finit par remarquer qu'un pile monde a des problèmes crédit. Et problème crédit, c'est pas ti cause piti. Ou vle al pas son ti vacances avec famille ou pas qu'à louer machine, ni ou pas qu'à réserver un chambre hôtel. Et là, on commence à mettre des amis backup, yo bloqué sur Facebook, yo bloqué sur WhatsApp, et adresse yo même, c'est qu'à écraser numéro effacé. Raymond Jean dou kembe dignité aux amis. Relè le coulier en 954. 348 85 86. Quel que soit problème ou gain en crédit, la pédo réparer dans 45 jours. Raymond Jean bon garantie dans 45 jours crédit score amélioré, ou ap acheter machine ou soit caille ak pi bon intérêt. Et si dans 45 jours crédit ou pas amélioré, la remettre l'argent sans discussion. Les crédits ou client pas fin codium. En pile wilt ak mortgage broker référé à All in One Global Services et puis dans 45 jours Raymond Jean mettez en business. Rele All in One Global Services jodi a même, quel que soit
voyez aux États-Unis dans 954 348 85 86 pour évaluer crédit. Ah ouais, l'aime d'où Raymond Jean by service là, c'est pas réclame m'a fait. Passez à le vérifier avec DGO dans 597 East Sample Road, suite B, Pompano Beach. Ou bien Réléo dans 954 348 85 86. Musique, information, tous les news du moment sur la radio Bad Bravo pour la jeunesse internationale. Nouveau Kakil, c'est chaque samedi sur radio Bad Bravo pour la jeunesse. Qui ça qui dit? Qui ça qui a fait? Toute actualité semaine, non? Non, Nouveau Kakil. Chaque samedi, sorti 6h pour arriver 8h dans le soir, Jefferson Jeune, avec collaborateur qui c'est Jean-Hérard Le Gagneur, a porté pour sous BBG International, émission Nouveau Kakil. Calcul, c'est une émission analyse, débat et recommandation sur tout enjeu qui est vital pour le pays d'Haïti. Éducation, droit, économie, environnement, géopolitique et latrier. Émission Nouveau Calcul pour aider à comprendre enjeu si la haïe pour qu'on prenne bon genre de décision qui n'a intérêt au pays. Bonjour ou bonsoir à toutes haïtiennes, qui branche émission ça, qui c'est Nouveau Calcul. Je dis assez un bonheur pour nous ensemble avec nous, pour nous animer émission ça. Même si que grand pile tristesse, nous allons parler de ça qui a passé en Haïti. Et Gambuit est technicien. Gambuit en background. Yeah, et ça fait nous plaisir. Nous saluons tout le monde qui est sur Facebook, tout le monde qui est sur YouTube. Je dis à vraiment, c'est un grand plaisir pour nous. Nous saluons tout le monde qui branche sur YouTube, tout le monde qui branche sur Facebook, tout le monde qui capte des noms en Haïti, et tout le monde qui est Chili, et Brésil, République Dominicaine, quel que soit Côte d'Ivoire. Ça fait nous vraiment plaisir. Nous saluons, comme dit toujours Anastasia, tout image. Mon capoussé bourrette, etc. Surtout moi-même. Non. Surtout moi-même, et mon que me prend temps pour me saluer, et c'est les agriculteurs. Agriculteurs côté que moun sa ou, c'est moun que yo toujours mettez en dehors de la société, et c'est eux même qui force économique pays a, parce que c'est eux qui va nous manger pour nous manger. Et je dis à nous pas le bel sujet côté nous pas parler de consommer local, parce que produit haïtien, produit terroir, ça que Haïti bail, la terre Haïti bail, pas gain rien qui capable remplacer. C'est la donne que n'a besoin tout plus calories comme patate et comme gain paquet bonne nourriture que qui sorti dans tel acaïno, et c'est eux même qui est important, c'est eux pour nous manger et nous pas capable rejeter. Et disons la caïno, moi même saluer tout agriculteur yo. Et rapidement, et nous, avant que nous disions de qui ça que nous voulons parler aujourd'hui, n'a pas saluer Anastasia, même si c'est lui qui fait légèrement en retard. Anastasia, ça sera fait. Est-ce que Anastasia sorti? Est-ce que nous entendons Anastasia, s'il vous plaît? Est-ce que nous entendons? Parce que moi, je ne m'entends pas là. Est-ce que nous entendons Anastasia? Non. Non, on ne m'entend pas. Et puis, il y a un bruit. Technicien, Anastasia, s'il vous plaît. En attendant, bah, on est 6 millions de gagnants. Les gagnants, ça qu'a fait. Les gagnants avec nous, soulignant comme d'habitude. Les gagnants, ça qu'a fait. Bonsoir, Jefferson. Bah qu'on est sur autant de moi, et si mon autant de moi, m'a salué public là qui te manque nous, et nous connaît te manque nous tout. Du fait que nous faisons fort bon pendant 2 semaines, m'a salué PDG Radio, m'a salué Facebooker, YouTuber et tout l'autre monde qui a possibilité de t'entendre nous par quelque autre moyen que ce soit. Nous disons que nous là, et nous pourrons essayer de garder qui nous vaut calcul que nous avons fait par rapport à la situation 7 mai 14 pour Haïtiens et Haïtiennes qui vivent dans le pays, peuple Koudéon. Bonsoir tout le monde, bonsoir Jefferson, bonsoir Anastasia. Bonsoir les gagnants et bonsoir Anastasia. Bonsoir Jefferson, bonsoir les gagnants. Que m'attendez encore jusqu'où n'y a pas que j'attendais. Est-ce que vous attendez les gagnants? Moi, je t'entends très bien, mais côté, je ne suis pas capable d'entendre, puisque
C'est vrai. Bon, là, je m'entends. Là, je m'entends. Et bonsoir tout le monde. Bonsoir, mon Facebook, yo. Même si chaque semaine, yo traîne pour yo mener la défense, c'est pas parce que m'en vivine là. Mais, bagay Jefferson, so dit à l'heure, je voulais juste une petite correction. C'est Jefferson qui marchait en couchéni, qui a vu une propose que c'est moi de faire en retard. C'est pas moi de faire Jefferson en retard. Jefferson connaît l'émission commence à 6 heures. Si elle est en retard, c'est lui-même qui est en retard. Attention. Bon, continue. Bonsoir, mesdames, messieurs. Bonsoir, ti madame, moi, yo, ti grand moun, moi, yo. Moun ka viv en dehors, yo. Moun ki a machin charbon, yo. Et moun ki se madame Sarah, yo. Moun ka bat la vie di. Pou yo changer la vie petit, yo. Ma, ti jeune fille ki a pleve ki pou al l'école en bas bal, yo. Moi, salue nous tout. Moi, salue nous jeunesse haïtienne, non. Et moi, bien content, moi, là, avec nous. Moun sou Facebook, nous connaît moi, mais nous en pile. Moun kap suiv moi sou Facebook. Nous connaît m'apprécier nous en pile. Jodi a m'pral mande nous aide nous. N'a juste quitté émission fonti dérapé et puis n'a continué. Nous connaît c'est haïtienne, moi c'est petite nous, moi c'est petite pays a, moi c'est petite natal là et nous connaît l'or gen sans des salines, sans marigène, cap jaï dans sang ou pas paix monde. Merci Anastasia et je vais faire la rectification. Haut et fort Anastasia ou cause que nous en retard je dis et acceptez-le. C'est tout. Okay. Ils sont des misogynes. Jefferson, c'est un misogyne. Jefferson, c'est un sexisme qui qui laisse la responsabilité sur les femmes. Des hommes comme toi sont des coulots comme Richard Martineau. Non, Anastasia, non. Dans cette émission, on va parler de l'autre monde. Son émission a fait. Moun goste nonna, Alfel, disons, j'en qu'on habitué faire tout pas jour. Moun connaît qu'on en zé, mais c'est pas dans l'émission ça, ok? Si moun zé, nous connaît pas capable de partager bagala avec nous. Moi, j'ai plus gros raciste au Québec. Dans les médias québécois, moi, j'ai plus gros raciste au Québec cap. Attaquer gratuitement. Mais monsieur, pas de compte à qui femme ni te joindre, ni pas c'est ton petit femme tête. Non, fouk, li pas de passer s'il te joindre avec yon Marie-Jeanne, femme Haïti, petite de Saline, petite Marie-Jeanne. Eh bien, ma contre-carré à mon cher. Anastasia, m'prio, c'est que cette émission. Nous va parler aujourd'hui de questions et ça que on va confronter. Ouais, on va être sérieux là. Yeah, ça qu'on va confronter pendant cette semaine. Ça c'est okay? Petit joke nous. Yeah. Ça c'est début yeah. En émission. Si on a besoin à l'ouel, à sous Anastasia, n'a pas saisi qui est sur Anastasia. Parce que même moi même matin m'a attendu ça Anastasia. Oh, il dit on pas attendre mais. On courir sur sous page li. Oh, nous pas attendre. OK, c'est bon. Yeah, Mathieu Mkou, il saute sous page Anastasia. Just là, nous finissons les yeux sous page Anastasia. Nous avons une idée de qui est ce qu'il est Anastasia. Bon, et mesdames, messieurs, et nous connaissons l'émission, comme on dit, c'est Nouveau Calcul, c'est Réfléchir Autrement, c'est l'émission qui permet que nous questionnions tête nous, en tant qu'haïtiens, en tant que l'homme et femme noire, et qui utilité nous dans le monde là, et qui ça que nous sommes capables de porter, qui pions nous, parce qu'il faut que nous marquions le monde, ça, la vie est tellement courte. Faut nous faire des actions concrètes pour que nous marquions monde là, pour que nous laissions, disons, des choses concrètes et positives pour les générations d'après. Et je dis à de qui ça nous va parler rapidement, vu que nous sommes en retard, on ne va pas parler plus. Nous allons parler de questions kidnapping en Haïti, parce que tellement de jeunes y a kidnappé. Et Anastasia te font live sur questions kidnapping. Ouais. Et moi, je pensais que. Bon, fin by point. On a parlé de questions qui datent dans 6 nous gagnons parce que nous avons assez de temps. Nous gagnons à 6h32 et à 6h50. Nous avons invité nous. Nous allons parler tout de questions ministre haïtien, ministre des Affaires étrangères là, qui est en République dominicaine. Nous allons parler de ça. Et un point qui est important, ça a passé en France avec une jeune noire, ça a que environ 3 policiers tabassés en France. Nous allons parler de ça et puis après ça, nous allons recevoir invité nous. Bon, si nous guettons plus, si nous guettons après invité nous, nous sommes capables de continuer et dans l'actualité, parce qu'il y a plus de bagarre encore pour nous parler et de l'actualité. Nous avons aussi violent affrontement entre la PNH et des criminels, loup de main armée dans Carrefour, grand paquet de bandes et puis corps groupe tout cap souhaité et pour que calendrier électoral a publié le plus tôt que possible. Pendant ce temps, nous avons en Haïti, insécurité. Ça ne fait pas de sens. Corps groupe campé comme un syndicat. La
imposer pour que l'élection soit faite le plus rapide que possible. Et puis, moun même nan ap mouri, moun ap kidnappé. Moi-même, il y a une chose que je veux dire à ces kidnappeurs. Moun que kap kidnappé moun yo, jeune kap kidnappé yo, bon, c'est jeune, comme c'est jeune qui est en vingtaine, trentaine, yo fait kidnapper là un médecin. Et m'ap gade la tout, yo kidnappé yon jeune garçon qui dans l'église Bethel, qui est le frère Joseph de Torcel, qui est secrétaire et jeunesse dans l'église là. Yo kidnappé un jeune médecin qui est le docteur Télémac. Yo kidnappé Stanley Fenelon. Ben, que Stanley Fenelon, si nous te ka di kidnapping, nous pa ka même di kidnapping, parce que nous pa jeune ni corps, nous pa jeune rien, li juste volatilisé, li gen 42 ans, là le travail tabar, et pas tabar, non, quoi des bouquets, excusez, et puis depuis deux semaines, n'a cherché, nous pa ka joine ni. Fait que c'est pour ça, je dis à ma fond alerte, non, BBJ, parce que m'kon est mauvais, n'gé chinois, pour qui ça pour nous pas travailler pour moi tout comme chinois. Fait nous toutes sont celles. Non, c'est sérieux. Non, yeah. C'est sérieux. Parce que semaine ça, m'gade moi ou connais me sur réseau à tout, j'ai fait son fouille et tout. Et m'gade moi grand pile kidnapping qui fait, en pile bagay a passé. Et puis pour gade ouais corps groupe qui campait qui comme yon proto mitan non pays qui sorti pour détruire avec l'autre monde. Moi même toujours dit non comme ça que d'essayer des bagay moins sensible pour li en Haïti, c'est parce que m'té cap parmi haïtien qui vivent en Haïti yo tout. Nan pays étranger, mais moi c'est haïtienne avant tout. Fait que jodi an si on cri d'alerte m'a fait un cri d'alerte pour tout moun yo kidnappé yo. Bon moi m'a parlé directement à kidnapper yo, même j'aime te faire pendant semaine avec cette personne. Même j'aime te faire et pendant semaine là avec et m'té mandé barbecue, m'té mandé et monsieur Lamor 109 ou 101 basson géo. En tout cas, toute équipe gang yo, m'té font cri d'alerte côté m'd'a dit nous gen surtout, nous gen madame, nous gen petite. C'est un monde qui fait nous pas cap détruire la vie monde comme ça pour des partis politiques pour $2, pour $5, pour $10. L'homme mandé $1,000 ou $2,000 ou $100,000 pour la vie un monde. Imagine depuis moun sa nan moun lan paran parfois investi nan li et pou gado fèl disparèt kon sa. C'est haïtien nou toutye. Et moi même son bagay ki touche en pile parce que m'te ka pa mi yo tout. Moi ça que ki énervé, je suis écœuré et c'est la plus grande monstruosité que m'te capable à observer ça qui a passé en Haïti ces derniers temps. Moun kap kidnappé jeune sa yo. Imagine un exemple. M'a prend un exemple dans tout moun kap kidnappé yo là. Ou kidnapper un jeune médecin. Un jeune médecin qui a utilité en dans communauté, dans la communauté haïtienne, déjà pas grand-pile médecin. Parce que plus fort jeune qui fait étudier médecine, il y a les, ça que qui accepte de yo. Ou kidnapper un jeune médecin qui a bail service. Ou même qui kidnappe là. Depuis au fait, si vous avez 30 ans, qui service ou rend société a déjà. Même taxe ou pas que j'en paye dans vie. Ou pas utile société a rien. Ou pas utile en société a rien. Tandis que c'est ou même qui a commettre du tort dans société. Mais pour qui ça le commettre? Pour alcool. Pour alcool, montrer tout le monde qui a l'argent, faire show off. C'est ça qui dit dans l'histoire. Exactement. Moi, c'est ce qui m'énerve. Ou pour un jeune, depuis il y a 3 ans qu'à l'école, qui, toute ville, il passe l'école, il étudie la faculté de médecine, il vient médecin, il accepte de rester dans le pays pour servir le pays. Ou même, de vous faire, ou à traîner dans la rue, ou te calons l'école l'État, là, ou te calons lycée par exemple. Ou ap traîner jodia ou prend jeune ça ou kidnappel, ou pas jamais utilité société haïtienne, nan, yon merde. Excusez-moi pour l'expression. Un yen, même un goût de taxe ou pas jamais payé. Qu'on a ou prend un jeune cap utile, disons, n'importe 500 000 monde, parce que gon problème, gon grave problème de médecin en Haïti. Qu'on a un jeune ça qui capable utile moun yo, parce que yon pas kidnappé n'importe moun. Yon choisi. Yon kidnappé citoyen. On paye parce que moun sa yo kap kidnappé yo pas citoyen haïtien ouais. Parce que m'pa kon parce que yo pa étudie société a rien rien yo pa étudie société a c'est des entre guillemets des déchets de la société médecin pa gen ni maman ni papa li pa gen moun ki pou yo ba la red ou son bagay ki pou pousser nous ki pou ba nous indignation et m gon ti problème là n'ap di comme ça Haïti pas bon m'pa remen phrase ça parce que Haïti c'est une terre liée Haïti pas bouger. C'est moun qui en dans Haïti. C'est pas pays qui fait moun non, c'est moun qui font pays oui.
Fait nous pas kachita a dit Haïti pas bon comme ça. C'est nous-mêmes qui haïtiens qui gon santé, qui gon problème santé mentale, c'est nous-mêmes qui haïtiens qui pas gain dignité, c'est nous-mêmes qui haïtiens qui pas gain vivre ensemble, qui pas gain collaboration, qui remet détruit une à l'autre. Parce que comme Jefferson t'a dit, l'autre détruit un docteur ou détruit un quartier ou détruit une société. Ou détruit la vie meilleure, ou détruit la vie meilleure non société. Exactement, ou détruit disons tout en commune et que gain section communale auprès aller pas gon médecin. Ou cas jeune peut-être en auxiliaire, pas gon médecin parce que plus fort jeune qui finit étudier médecine. Yo pas rit en Haïti en pile et parti. Pour qui ça yo parti? Mais il faut que me garde question dans l'autre phase pendant que m'bral bay les gagner parler. Faut me garde question ces générations qui ont 50 60 ans, ça que cal l'école. Diplômé, il est très haut. C'est eux-mêmes qui mettent pays là. Parce que où imaginez-vous? Là, on besoin faire m'enrager. Parce que où imaginez-vous? Gon ensemble de jeunes jodi là qui viennent kidnapper. Si que t'es gon, si que non seulement t'es gon modèle, t'es gon structure et que t'es gon ligne qui t'est tracée pour yo. Jodi à pas de kidnapper. Mais c'est pour ça me toujours dire comme ça. Nous c'est victimes société. Nous c'est victimes monde ça yo. Nous sommes des victimes. Non, mais... ça bagay ça tellement énervé, c'est ça qui fait moun 50 60 ans avec faux diplôme, bah qu'on est capable parler français, j'ai un doctorat, j'ai une maîtrise, etc. Mais c'est moun ça qui fait plus mal à la société là, et que tout grand traité que y a signé pour écraser la société là, tout monde depuis après 86 l'op gardons ensemble deux têtes qui dans politique en Haïti, c'est moun grand pile là dedans au minimum qui gon maîtrise, non mais yo grand pile là dedans qui gagne doctorat qui t'a étudié à Sorbonne, qui t'a étudié en Suisse, aux États-Unis, en Chili, mais on en fin compte son paquet tête vent payaya. Il y a une chose, moi je n'ai aucun problème avec des intellectuels. Moi j'adore, mais tu es intellectuel, j'adore les études, moi même pas intellectuel, petite soirée moi. Non, c'est parce que petite soirée qu'il faut pas être intellectuel. Non, petite soirée moi. Non, Anastasia, moi même connais qui ça soit dit, pas intellectuel, pas besoin étiquette intellectuel là. C'est pas une étiquette, étiquette ça sont étiquette pourriture liée en Haïti. Anastasia, c'est faux, moi c'est que gain intellectuel haïtien qui bon, peut-être que après un certain temps il va pas vivre y aller, et bien qui pense que qui est en Haïti qui est honnête, vu que dans galère ça, y a pas vient rentrer dans galère ça, pense que gen moun qui fait des études qui est honnête en Haïti, et gen haïtien qui fait des études qui est honnête à l'étranger, et wap gade ou là, y a brillé, que te, Montréal, Québec, Canada, aux États-Unis, la France, etc., y a brillé, y a honnête, y a digne, et que c'est des compétences qui ka servi pays a, mais l'op prend entre guillemets, si m'brete mou Anastasia, trip pourri ça yo. Non, mais... ah, excuse-moi! Anastasia, non, mais ça m'énerve du plus profond. Si tu étais trop avec moi! Non, excuse-moi, ça m'énerve du plus profond de tout ce que je suis. Ou pour une population, ou mettez le nom misère, et ou mettez le nom non, crasse, qui fait au 21e siècle, et que en population levée, le package de manger, le pire, qui jeunesse qui pral, ou pensez, qui pral diriger Haïti dans 25 ans? Gardez jeunesse haïtienne actuellement là, gardez jeunesse québécoise là, gardez jeunesse américaine là. Jeunesse qui dans vingtaine là, c'est jeunesse disons, et que qui a fait des recherches, et que c'est jeunesse qui a voyagé, qui a compris le monde là, la question géopolitique, c'est jeunesse ça qui pourra le diriger et demain. Maintenant, j'ai une philosophie de la mort qui a traversé en Haïti, jodia, et que yo bouché j'ai jeunesse là, et que chaque jour, jeune yo levé en Haïti, il a pensé à la mort. Il n'est pas capable de penser avec mais rien de bon. Si mon nom vient... si sorti, il n'est pas contre s'il a rentré. Exactement. Comment vous voulez pour la pensée, il pourrait diriger Haïti demain. On se bat avec une tête li, c'est quitter Haïti. Les gagnants, bon, vous pouvez faire un petit peu. Oh, nous t'es bon, les gagnants. Merci beaucoup à Jefferson pour aborder des thèmes là qui permettent que nous sommes capables de faire une intervention en trois étapes. En commençant d'abord par saluer les agriculteurs qui ont été faits au début de l'émission, hein, parce que l'on est venu passer 15 mois à l'extérieur d'Haïti, on a mangé toute bagaille, et que même si on prend le bout organique et le bout organique, mais on retrouve des patates douces, on retrouve des malangas, des yamous, des bananes qu'on n'a pas ni OGM, ni pesticides, ça veut dire. Son façon tout pour même gens avec ou Jefferson, on présente hommage moins à nos agriculteurs, ça qui l'a tête mon yo, qui a goumé avec zon yo, pour yo baye moun la ville manger,
et puis pour eux-mêmes, pour dégager, on fait la vie. Deuxième sujet qu'on va aborder, Jefferson, c'est la question de kidnapping en Haïti. Nous voulons juste essayer de faire une approche diachronique de question ça pour nous mettre en perspective qu'il est à partir de quel moment cause kidnapping vient en réalité dans vivre haïtien. Nous pas nous songer que monsieur Jean-Bertrand Aristide qui s'active dans le pays en 2004 et que était fond interprétation politique des questions pour dire que président de victime kidnapping et dès lors que kidnapping était une monnaie courante dans le pays. Autrement dit, ça m'a parlé là aujourd'hui, il y a une origine politique, question kidnapping. Mais par la suite, il y a une dimension socio, on est capable de dire, une perspective côté que, ça qui question, son question de Zafè. Yo fè kidnapping yon pou koze de Zafè nan peyi a. Dans quel sens? C'est que ou jwenn moun ki le secteur privé nan peyi a ki lan koze kidnapping la. Ça c'est yon. Deuxième aspect là-dedans, ou jwenn le gangster ki organize yo tout pou fè kidnapping la, parfois pour yon capable de défendre tête yon, mais parfois tout yon pour comme outil pour faire pression politique sur pouvoir. Et puis, pour une catégorie de monde, yon tap de clan, yon société, que la société haïtienne, ou pas baye jeune pièce alternative là-dedans pour défendre tête li, et l'organe de gangsters de grand chemin, qui n'a politique que la économique, kap la gizam l'anme yon, nous devons connaître qui ça peut faire avec Zamlan lorsque tout c'est une alternative au bail. C'est au chef gang qui prend radio pour le dire. Ça fait plusieurs temps qu'elle ne recevoir rien. L'homme président de la République pays d'Haïti. On attend des présidents démenti ça non? Parce que notre jeune était de la dépaler. Il était un des présidents de la République d'Haïti qui a déparlé sur la question de la mort de mon foyer d'Oval. L'homme était un président m'a dit si tu es un pays, il faut t'arrêter de l'autre côté pour la parler parce que semblait que zombie d'Oval a fait gros chef le pays d'Haïti déparler. D'autres présidents de la République. Il est articulé de tous côtés. Altendel n'a pas son président de la République qui a déparlé sur la mort. Donc, si tu as un qui est important dans la société, donc, tu fais son. Qu'est-ce que tu n'as pas une très compliquée? L'idée de mettre tout côté dans toute couche dans la société. Donc, ils sont symptômes pour montrer nous le degré de pourriture que nous y est en Haïti. Donc, ça veut dire que, ils ont installé tout pour faire une peur dans la société. Ils sont instruments politiques pour certains, ils sont instruments économiques pour d'autres, et puis ils sont une sorte de dégagisme, ça veut dire que débrouillardise pour les autres. Mais qui ça nous y est, dans la société? Et après le tribunal, nous étions dans un juge, dit un chef kidnappeur, allez pas faire ça encore. Le gagneur, au coup ça me remarqué avant hier, et m'gade moué et chef et gang yo, yo gen plus autorité que tout l'autre moun yo. Pa, comment m'ka dit ça? M'gade moué c'est yo même qui toujours, koun ya gang, c'est comme si c'est yo kap gouverne pays, c'est yo qui gouvernement, c'est yo même moué kap fait entrevue, c'est yo même moué tout côté. Comment vle dim le gagneur? M'a bon exemple. Et Stenne Fenelon disparaît. Ou rele la police ou di men li disparaît li di oh ben m pa konnen ou konnen ki jan peyi a yi. Après ça li te gon téléphone semaine passée l'el rele l'el yo rele nan téléphone nan et téléphone nan te fermé. Semaine ça l'el yo rele gen moun gon moun ki répond moun nan pa parler. Pour la police di m kon sa moun nan disparaît téléphone ni a fonctionné. Gen moun ki répond pour la police pas chercher kote moun sa yé. Dis-moi si c'est pour bordel lié les gagneurs.
Bon, Anastasie, on se parle de la police. La police tourne fantôme depuis l'entendez de mon groupe. Dans la police, c'est que les fantômes 509 qui l'ont ouvré, il y a des brigandages dans le pays. Donc, ça veut dire quoi? Institution police, on va parler à l'issue fantôme. Ça, c'est une. Deuxièmement, moi, fait que ce dieu, son chef d'un qui était, il fait toute qualité de brigandage et puis il prend la radio, il dit, ça fait plusieurs gens, président de la République, là, parlons de même Bali. Ça veut dire là, oui. Je pense que. Qu'on y a là. Qu'on y a là, Jefferson. Là, nous face à cela. Quand là, on a parlé des questions intellectuelles, c'est le troisième thème pour intervenir sur lui. Donc, nous, nos sociétés, côté que, gangstérisation avec tout le banditisme qui accompagne elle, devient la norme. Et, il devient la norme avec le concours de monde qui l'a. Qui peut te traquer question ça yo. Donc c'est de nous qui ça nous y est. Donc, quand on se dit qu'on pas peur, nous dit tout, tout ce qui a passé dans la société, elle continue un instrument de peur, donc c'est une question politique tout. Moi-même, moi dis ça. On ne pas gagner un lien dans la société haïtienne pour faire peur, pour ne pas décrire ça lié à. Mon grand bagaille de femme, bam le même sort avec mon feuillet d'Oval. Bam le même sort avec tout le monde qui a été assassiné dans la société par rapport à Boucho. Mais il y a un grand monde qui n'a pas peur dans la société. Même Jean d'Oval a dit qu'il a tué, il a été tué. Mais ça, dans le pays, il n'y a pas capable de dire que c'est les autorités qui instituent pour traquer qui a entretenu. Je pense que c'est extrêmement complexe. Et nous connaissons que, pour reprendre la pensée de Max Weber, c'est l'État qui détient le monopole de la violence légitime. Et pour nous assister l'État encore, parce que c'est extrêmement grave, ce sont Dia, les gagneurs, pour qu'ils ont gang fait une telle déclaration avec le président de la République. Yo, je pense que moi-même, miser sur jeunesse haïtienne. Je connais que c'est difficile pour jeunesse qui vivre en Haïti. Mais jeunesse haïtienne qui vivent à l'étranger, hein, parce que là, nous pas vraiment qu'à temps passé dans et l'autre point d'actualité, et côté nous t'as parlé de jeunes noirs ensemble avec ministre des Affaires étrangères et haïtiens qui est en République dominicaine. Mais moi-même, personnellement, parce que nous allons recevoir un invité noir, m'interpeller jeunesse haïtienne qui Chili, qui Brésil, qui est en République dominicaine, qui Canada, qui États-Unis, et fuck. Nous travaillons mindset, nous. Faut que nous avons leur forme de mentalité. Ça que m'essayez remarquer, Liban. Liban, c'est un pays qui a une crise économique. Capable de dire même avec Haïti. Mais, ça que qui passe, c'est que Liban, ils sont arrivés dans l'autre pays, ils ont plus ou moins mis tête ensemble, ils ont investi. Un exemple, si ils travaillent, ils ont touché 10 dollars de l'heure. Yo, voyez 2 dollars dans le pays, yo épargnez 1 dollar. Mm-hmm. Après ça, yo mettez tête, yo ensemble, yo investi. Bon, c'est que c'est ça que, et c'est mentalité ça pour que jeunes haïtiens gagnent à l'extérieur. Pas chita seulement, al travail pour blanc, et yo bon 10 dollars. Exactement. Non, non. Oui, faut que nous voyez comme by for me, nous en Haïti, pas dit ça. Mais faut que nous investi. Exactement. Faut que nous investi. Mettez tête, nous ensemble, investi. Pas créer petit casse-cout. Créer, si nous faisons un petit boutique, faut une boutique côté que, 3-4 moun mette ensemble, yon font bagay qui gagne. Exactement, qui permet moun ka rentrer là-dedans, ouais. Au moins yon bagay sérieux. Et m'pense que nous pouvons aborder un sujet extrêmement important. Attends, avant fini. Moi-même, et pour ça, m'ap salye Rod Joseph en bas, pendant n'ap dit ça, parce que Rod Joseph ba nous exemple, là, dans pays étranger, et puis, li descend en Haïti jodi, côté li a investi dans pays, côté li fait manufacture, la investi pour gen travail la kali, et non seulement ça, li pral ouvri centre et de jeux pour ti moun yo. Fait que ça, son gros bagay liye. Mais, gon l'autre bagay mwen vle di jeunesse haïtienne nan avant tout. Moi, ma vive au Québec, ok? Ma vive au Québec. Parfois ou ta dwe fermer bouchou mais gade le ou pa ka fermer bouchou encore m'gade moi remarqué gon bagay en Haïti depuis nous fâché nous médifé nous brûlé caoutchouc
Mkwè nou fè sa asè, sa fè des anè na fè menm bagay la. Jodi a nou pa ka fè sa yon anko, paske lò brile marchandiz yon ti marchand, ou byon brile yon biznis yon moun, se yon moun ki te avanse nan peyi a ou fò fè, ou fè fè yon bak an aryè. Sa vle di se meto mete peyi a an rekul, non an avansman. Fè mkwè fòk ta gon ti sensibilizasyon sou sa. Lò brile machin yon moun, se menm bagay la. Leur fait tout. Fait que m'te vle vraiment toucher ça et on l'autre bagay encore m'vle toucher pour jeunesse haïtienne nan. Ou se yon être humain, ou gen droit même gen avec tout moun. Tout moun ka bien vivre nan yon société, ou gen droit pour bien vivre tout. Pas jamais marcher tête baissée devant quiconque et ça te fait ouais si tu un monde li pa gen ken importance pour moi. Ça entre le titre et la personne, je respecte la personne, je ne respecte pas le titre. Fait ou même qui c'est jeune haïtien, pas oublier son être humain. Ou gon potentiel la kayou ke pa gen moun ki ka retirel ke ou même pou kontou. Fait fè effort pour avancer. Ou pa besoin de rive kòr pour réussir et investir comme Jefferson so di. Pa chita a pa achete gwo Nike ki gwo mak pou met sou. Ça le acheter yo ou fin acheter bagala après pas iti loin tandis que si on moun te voye $200 ba ou te prend $100 $150 te investil de mais si yo pas besoin remander moun sa $200 encore fait que c'est ça m'ta reme ba nou comme conseil moi c'est ça nous moi c'est famille nous moi c'est nous-mêmes moi représenter nous fait que c'est conseil ça m'a ba nous en tant que jeunesse haïtienne. Merci infiniment Anastasia. Non, question investissement, question mentalité hein. Mentalité jeune. Moi pas parler avec surtout grand monde intellectuel qui pensait que yo fin connait cap créer pays. Moi pas parler à moun sa yo parce que moun sa yo pas utile nous en rien et nous toutes victimes. Moi qui j'étais la victime, Anastasia victime. Nous toutes victimes. Peut-être seulement Kerma peut-être qui pas victime parce que elle est ici. Victime tout. Victime parce que c'est ça qui vient faire nous ici. On pas ta plat. Yeah, nous toutes nous c'est victimes. Et rapidement, vu que invité nous là, nous allons passer Conan ensemble avec invité nous allons passer dans la deuxième partie. Nous allons connaître est-ce que micro et nous allons même prendre pause parce que nous commençons en retard aujourd'hui. Et technicien, est-ce que micro. Et puis je dis moi oui. Ok, faut-il parler pour nous pour le micro. Hello, hello, testing one two. Ok, super. Bonsoir Kerma et Jean-Marie. Allô, bonsoir tout le monde. Bonsoir Jefferson, Anna. Bonsoir tout le monde. Ça fait tellement content de gagner avec nous parmi deux plus belles haïtiennes de Montréal. Hein? En passant, qu'il y a ma bonbon tisé. On connaît Sista, n'oubliez tout l'autre monde. Bouchez oreilles. Go moun petite, il frippe sur toi là, enragé ma fille. Il est obsédé par toi. Ma besoin dit qui est. Là, Anastasia. Oh, pour que sa technicien a regardé qui est en train de faire. Good job. Nous mettons invité nous à l'aise, mes amis. Invite-toi à l'aise. Kerma, merci infiniment d'avoir accepté cette invitation. Mais Kerma, bon, on va parler créole. Oh, eh bien, pas ici, mieux. Oh, bon bagay. Hey! Eh bien, nous allons faire entrevue en créole. Ben pourquoi pas? Bon bagay. Nous connaissons en créole, nous avons un petit français tout. Ah, bon. Je ressemble à Félicia Rose, je ressemble à tout le monde. Je suis un enfant du peuple. Kerma, et rapidement, on a dit que c'est instigatrice du grand salon de l'entrepreneuriat local, et c'est-à-dire directrice Expopreneur Montréal. Yes. Et mettant en vedette les entrepreneurs et, leurs entreprises locales. C'est aussi spécialiste de la visibilité et du réseautage des micro et petites entreprises locales. Mm-hmm. Lauréate de l'organisme Recopac, c'est quoi Recopac? Recopac, c'est un organisme qui vient dans Montréal, non? Cap fait un pile bagaille pour reconnaître talent jeune moun, jeune noir, surtout gay haïtien, gay africain surtout. So, il y a reconnaître, il y a fait un pile souterrain pour yo ka bay
reconnaissance pour ça qu'a fait bon travail. Anna gagne lauréat ça déjà, gagne porte-parole moi en Kéti qui t'a gagné lauréat ça, moi même tout gagne. Donc c'est en façon que yo reconnaître qui bon travail que n'a fait. C'est pas un nick sous Facebook et à parler à mettre photo. Non, faut que nous font bagaille tout médias sociaux là, mais qui j'en nous utiliser yo, qui j'en nous utiliser talent nous et puis yo même yo reconnaître lui. Super. Bon bagaille, m'pa quoi l'écrit. Parce que c'est rare li écrit. Bon, fini pour être écrit. Ok, allez. Vous représentez un mentor pour les jeunes entrepreneurs et spécialement pour les femmes entrepreneurs. Vous souhaitez travailler pour le succès de tous. Mm-hmm. C'est-à-dire, même jeunes haïtiens qui regardent nous, qui Chili, qui Brésil, qui République Dominicaine, si vous avez contacté pour question d'entrepreneur, vous avez entreprendre, vous n'avez pas de problème. Mais non, parce que gagnons base, gagnons gens pour entrepreneuriat, en fait, mm-hmm. peu importe dans qui côté vous sortez. Et puis pour répondre à ta question, Anna, non, il n'est pas la donne parce que je suis... Ah, mais il y a différentes biographies. Ah, mais bon, ben nous y a, ok? Si pas dit ça, il n'est pas la donne. Kerma puis moi, on est des sœurs. On est des sœurs, on s'aime. C'est pas on hypocrisie. Il y a des gens qui remet par hypocrisie, mais l'amour nous en livré. Première chose, Kerma puis moi, nous rencontrer dans un espace de Miss. Oui. Ah. Oui. Ou des mannequins? Miss Haïti, ah. Canada. Ou des mannequins, Anastasia. Miss Créole, Québec. Québec. Excuse-moi. Miss Créole, Québec. Ou à Kun George, à toute Georgette. Anna. Hey! Attention! Faut dire, Anastasia, va commencer à parler. Ah, attention! C'était en 2014. Deux Miss, ou bien deux Miss devant, là, là. Les pionniers. Oh oui! Ou bien deux Miss devant. Et puis, une des choses que j'adore chez Kerma, Kerma est vaudouisante. Elle assume, moi je ne suis pas vaudouisante. Mais il n'y a personne qui peut remarquer ça. Parce que quand on est ensemble, on a la chimie. Parce qu'on se reconnaît en tant que sœur, oui, avant tout. On se reconnaît parce que on travaille pour le développement de une société. Nous, c'est pro-black, pro-femme noire. Nous mettons femme noire en évidence et en valeur. You know, sister, I love yes, you. Bien sûr, gagnons chanté. Ben, gagnons plusieurs chantés qui disent dans vos doigts, mais gagnons chanté qui dit nous, c'est youn. C'est vrai, nous c'est youn, nous toutes là, nous c'est youn, nous travaillons pour yon bagay et c'est la cause des Noirs, ou libération de la nation noire, parce que tout côté nous y est autour du monde, c'est mise en a passé. Mm-hmm. Yeah, exactement, bon, c'est côté que nous attaquons, et je te suis sur Facebook, je te respecte énormément, même si nous rencontrés, c'était dans la soirée que Anastasia t'a organisé. Oui, hein. 50 millions de beauté. Exactement. Ouais. C'est là que je t'ai rencontré. Moi, je fais un travail extraordinaire. Parce que question investissement, surtout pour le côté noir, là, nous n'avons pas de mentalité. Ça. Ouais. On regarde l'école en Haïti, on sait plus si tu as fait nous parler français. Oui, c'est ça. Écrit français, parler français. Écrit français, parler français, renier tête, non, c'est-à-dire renier papa les créoles. Mm-hmm. Nous venons en quête d'identité. Oui. Nous par contre nous qui fait que lorsque nous prenons pouvoir en Haïti, nous pas qu'à diriger parce que nous par contre pays a. Nous par contre nous pas aller, nous par contre qui est-ce nous. Vraiment content tout que vous faites ici pour vaudouisant. Et aujourd'hui parce que le vaudou certes c'est pas la culture haïtienne mais lié c'est le symbolisme. Ben oui. Et disons lié avec la culture haïtienne parce que aujourd'hui nous avons perdu notre culture et nos valeurs, nous perdu disons tout ça que nous y est en termes d'identité. Et puis Miss Créole, oui, Miss Créole, oui, Jefferson. Miss Créole, faut préciser. Miss Créole. Précisez-le, non. Et pas Miss Chaussée, nous, non. Miss Créole. Non, mais je pense que son question qui est extrêmement importante. Question investissement, question ouais. Mentalité. Mais mentalité, ça, il faut que tout rentre dans la question éducation, façon à former Team Union Haïti. Oui. Il faut remettre en question surtout le système qui vient par et les écoles qu'on organise surtout, parce que c'est eux-mêmes qui pire, parce que qui forment des individualistes. Et des individualistes qui ne gagnent rien vraiment avec Haïtien, mais ce n'est pas faute de Timounio, pas gagner avec Timounio. Moi, je voulais avec système. Non. Mm-hmm. Façon que système non, forme Timounio, formate Timounio, il formate mentalité. Parce que leur croisé avec Timounio, c'est très usu. Parce que dans la tête, pas leur usu, ils pensent que le grand pile d'importance. Leur habité son quartier, quand il y a plein pile fatra, oui, plein pile fatra, au lieu de mettre ensemble avec d'autres jeunes dans le quartier, pour ta font comité nettoyer quartier non tellement senti aux prétentieuses aux usus etc. Il va peut-être ensemble pendant ce temps il a respiré et toute odeur putride que Fatra a dégagé. Même grand problème avec artistes YouTube ou pas qu'a fait cob dans international non
on fait comme dans toute Miami, on fait comme dans Canada, on fait tout gros travail ça mener comme la caillou pour les n'a vinn la caillou en Haïti. C'est fatra m'a traversé. Ça que fait au pas ranger la rien, c'est ta rue, c'est rue pas oublié. Pour ça ou pas ranger, c'est wap tande après gouvernement, wap tande longtemps. Donc moi j'ai un problème avec ça tout. Oui, nous même nous à l'extérieur, n'a pas des voyer cob, Western Union fin riche en bas comme nous, mais moun en Haïti qui gain cob tout. Ça yo fait avec cob yo. Yo pas met tête ensemble. Yo pas mes têtes ensemble, c'est gros lobe y a pas acheté, c'est gros Mercedes y a pas acheté. Toujours mal à Haïti, mon Mercedes nan mi tan kafou, an y a pas monté, an y a pas descendre, par contre côté Mercedes ça pour aller. J'ai l'impression so di a force, son question d'estime de soi. Nous toujours besoin faire ouais. Nous toujours besoin paraître. M'as-tu vu? Exactement. Mais ça c'est parce que nous pas contre valet nous et nous pas contre côté nous saute. Exactement. Pas connait. Y a dernière machine nan tombé, faut gain. C'est parce que nous par contre ça nous dernier téléphone n'a tombé. Exactement. Combien de téléphones mon Haïti gagne? Deux, trois téléphones minimum. Qui travaille? Nulle part. Qui travaille sous téléphone? Non. Bon, c'est que ça c'est extrêmement important parce que gagne un rescapé de Rothschild, disons après la deuxième guerre mondiale, qui dit faites quelque chose de votre vie. Faites quelque chose de votre vie qui vous justifie. Parce que à la fin de votre vie, parce que je dis aux jeunes. Dans 20-30 ans, c'est pas même Kerma. Exactement. C'est pas même Kerma ça, c'est pas même Anastasia ça. Visage à pas même. Non. Après ça, on a passé. Et on va repasser l'histoire. Nous, chaque bonne histoire. Qui soit fait avec l'histoire. Il faut qu'on marque le monde ça. Parce que le monde nous appartient. Oui. Parce que c'est nous qui construisons le monde là. C'est nous les humains. C'est pas Dieu qui construit le monde là. Même j'avais un paquet de bananes ici, mettre en tête. Yo. Que bon Dieu va venir sauver Haïti. Ah, bon, pour ça, on se dit. Que bon Dieu va venir sauver Haïti. Non, chaque jour qui passait, fait bilan soit réalisé dans la journée. Des jeunes, je dis, qui passent toute vie sur les réseaux sociaux, chercher zin, jouer les gens, dire bêtises. Mettre photo derrière yo. Exactement, et au pral, 30-40 ans, passe pas régler un rien. Si côté jeune, ok, ou jeune, un jeune garçon qui doit avoir là, ou belle bail, il bon petit cob, il bail. Mais l'on a 40-50 ans, garçon pas sous bois, ou là, ça, il va être difficile pour vous. En tant que fille, faites quelque chose de votre vie. En tant que jeune garçon, tout. Font bagarre à vie ou sinon on va tomber dans le volet, on va tomber dans le kidnapping. Parce que, l'ambition. Exactement. L'ambition. Non, l'ambition pour posséder un bagage que vous pas gagné. Mais c'est pas un bagage constructif, non? Envie, voilà. Parce que nous pas gagné ambition. Son bagage, c'est pas un bagage constructif, c'est un bagage vaniteux. C'est comme. Il y a un but, les gagnants. Les gagnants. Mes amis, font bon pas bruit, les gagnants pas les oui, l'ambition, oh, oui. Au bon bruit les gagnants. Fait que l'ambition, okay. C'est pour. On va gérer ça. Merci. Je laisse on vent qu'a bon problème là. Ok. On va. Ok. Fait que. Ok. Bon. Attends, les gagnants. Attends. Ok. L'ambition, c'est pour aller chercher un bagage qui n'est pas possédé, qui n'est pas pour vous, et pour juste besoin montrer, faire, ouais. Mais c'est pour un bagage constructif et non durable, non? Il n'est pas durable, non, ambition, ça, en tout cas. Les gagnants. Bon, Jefferson, laissez-moi le temps pour me saluer Kerma. Parce que j'entendais Eoumen et Anastasie Vantelli, surtout Botelli, m'a salué lui dans l'esprit d'Anton. Et m'a salué le tout parce que lui incarne la résistance. Toute femme haïtienne qui choisit pour vous d'Ouizante, autant dit que vous choisit la voie de la résistance parce que c'est ça, symboliquement. Ma comprenne nous les gagner. le vaudou incarné dans l'histoire nous et sous base ça m'a félicité Kerma et livré cette bataille là sur le plan de l'investissement donc pour élever m'ta capable dit la haïtienne à une dimension qui peut permettre que chaque monde capable autonome toutes mes félicitations et diverses et du fait que ou amené des figures comme ça et surtout des figures haïtiennes dans l'émission pour nous faire nouveaux calculs. Donc, bon, c'est très intéressant lorsque nous gagnons un type d'invité ça et qui incarne de tels esprits.
Merci beaucoup, Bilolo. Et les gagnants, vous avez si on Anastasia fait jalousie? Non, je ne fais pas jalousie. Les gagnants m'aiment. Les gagnants disent que je ne suis pas esprit combattant. Je ne suis pas les gagnants. Non, Anastasia connaît. Anastasia connaît moi, René. Oui, je connais. Et il connaît tout. Il connaît tout. Il y a un monde qui choisit, qui n'a pas fait un éthique pour choisir votre isote, ça veut dire quoi? Il était joué dans la famille qui dit que Racine n'est pas capable de perdre lui, il choisit pour perpétuer une tradition qui fait s'ennuyer les Haïtiens. J'en te dis récemment dans l'émission que nous incarnons la négritude, pas la négritude de Césaire, de Senghor et d'autres. La négritude que Dessalines est instituée, elle fait de nous le premier peuple nègre qui existe dans l'humanité. Elle fait l'exister en opposition à l'universalisme français, qui c'est un impérialisme raciste, comme on a évoqué la question de tabassage par des barbares en uniforme, pour répéter une expression utilisée par Jean-Luc Mélenchon pour qualifier la chose. Eh bien, la négritude haïtienne, c'est une réponse à l'universalisme raciste français, de telle sorte qu'à chaque fois que nous avons perpétué cette tradition, il faut valoriser la dimension qui est liée. Et je pense que c'est la sauce ça que je salue Kerma au nom de Dator, parce que Dator, c'est l'incarnation de cette Vierge noire. Qui? La question, hein? Voilà. Donc, c'est pas ça que m'anime même le moment là, lorsque nous introduisons bah, la cosa, Anastasio, pas bah, inquiète, bon, me font bisous pour vous, me font bisous pour vous. Ok, Antoine est dans le sujet. Bon, tout profiter, dis-nous que moi, je fais conférence sur le sujet. Moi, je suis conférencière sur le vaudou. Moi, je fais une conférence sur YouTube. L'autre conférence, c'est plus à huis clos, mais moi, je fais conférence parce que moi-même, je fais vaudou en marché du côté théorique. Gen l'autre monde qui fait le marché du côté pratique, moi-même, moi, occupé-moi du côté théorique parce que vaudou, c'est en science liée et en science, ça s'enseigne. Mais tu sais, Kerma, une des choses, je sais que ce n'est pas le sujet, le vaudou, et il faut que les Haïtiens apprennent à faire la différence entre la sorcellerie et le vaudou. Et mais on mélange souvent chose, les deux. Je pense que nous avons invité Kerma n'importe où pour nous, ouais, pas, pour nous parler de ça. Et rapidement, on a pris une pause parce qu'on a discuté, même si ça n'a pas dit extrêmement important. On a pris une petite pause et on a passé en musique et on a retourné tout de suite après. Chaque samedi, sauté 6h pour arriver 8h dans le soir, Jefferson Jeune, avec collaborateur qui c'est Jean-Hérard Le Gagneur, a porté pour nous sous BBG International, émission Nouveau Calcul. Nouveau Calcul, c'est une émission analyse, débat et recommandation sur tout enjeu qui est vital pour le pays d'Haïti. Éducation, droit, économie, environnement, géopolitique et latrier. Émission Nouveau Calcul pour aider à comprendre enjeu si la haïe pour qu'on prenne un bon genre de décision qui n'a intérêt au pays. A vous d'Haï? Oui! Bila Bila! Congo! Le monde a fâché côté de Chita. Ater! Jean-Yohem, là, aux âmes dangereuses. Moi y'a pas de m'lant qu'on s'am dangere. J'en yo aime l'an, on s'am dangere. J'en y'a pas de m'lant qu'on s'am dangere. Ka fou pa manje mon eau. Si mi tiè pa manje mon eau. J'en yo aime l'an, on s'am dangere.
Bon, merci technicien. Et moi, Kermad, content. Parce que Kermad, non, bien ce là. Non, bol graisse, moi. Ok, rapidement, il faut que nous rentrions dans le sujet aujourd'hui, Kermad. Et j'aime te dire, merci beaucoup parce que vous acceptez de venir dans l'émission. Ça. Nous allons parler de. C'est pas pour la première fois qu'on va organiser ce genre d'activité ça, dans Montréal. Là. Par contre, c'est la première fois qu'on va organiser. En ligne, disons, c'est la première édition Salon de la consommation locale. Exactement. À Montréal, ouais. Nous connaissons Salon de l'entrepreneuriat local, nous faisons déjà depuis 4 ans, même si premier l'année, il n'y a pas très l'entrepreneuriat local, ça s'appelait Diva Night. Et puis, dans Diva Night, Anate vin ouen nous dans Diva Night, là, tout, nous faisons Diva Night parce que moi, fin prendre un cours maquillage. Et puis, moi, j'ai décidé pour moi montrer tout le monde que moi, c'est une maquilleuse qu'on y a là, vine pour un contrat non même. Donc, moi, j'ai organisé un événement côté tout le monde vine et maquillé gratuitement. Yo vine goûter, tiakra, yo vine boire et bail que nous t'ai préparé, m't'ai fait venir un zanmim qui fait manicure, qui fait pédicure, il fait tout, en coiffeuse. Et c'est là que moi, j'ai réalisé que moi, j'ai saute fait un premier salon. Donc, l'année qui t'est suivant, j'ai relé Diva Night encore. Moi, ouvert porte pour moi qu'à louer 15 tables, 15 exposants. Et moi, t'es grand problème parce que finalement, 31 tables, t'es inscrit. Donc, faut m'te agrandi place. Non, nous faisons un deuxième salon Diva Night. Tout va être bien passé. Anna, t'es là tout. Anna, là, chaque fois. Et puis, troisième année, hein, moi, dit Diva Night, faut que moi, t'es by trois explications. Non, c'est pas juste pour filles. Non, c'est pas juste cela. Non, c'est pas juste cela. Donc, moi, j'ai changé nom. Hein. Moi, relil, expopreneur. Donc, expopreneur, kounia livin, non compagnien. Et puis, salon en relil, salon de l'entrepreneuriat local. Nous faisons première fois dans gros côté à Montréal, la Tohu. Nous faisons deuxième fois dans Palace, dans Laval, parce que nous étions décidés déplacer un peu vers le nord, parce que pas gagné un pile salon, pas gagné un pile marché vers le nord. Donc, nous tapons pas. Pour un pays. Hein. Et puis, COVID arrivé. Oh, wow. COVID arrivé depuis mars. Équipe moyenne avec tout moi-même a travaillé sous qui Jean nous pourrait dévoiler tête nous en ligne. Donc, nous décider séparer complètement deux événements ça. Événement qui compte en physique avec tout le monde et puis événement qui parle en ligne. Donc, événement entrepreneurial, non, le salon de l'entrepreneuriat local. Il a toujours existé, mais la vie a appauvri. Parce que quand il y a tout bas fermé, la vie fermé. Fait que la vie a appauvri, n'a pas ouvri le salon encore. Mais pour le moment, c'est la toute première édition du salon de la consommation locale en ligne. Donc, avec salon ça, au lieu que n'a voyé monter entrepreneuriat en ligne, n'a essayé à sensibiliser Mounio. Parce que nous tous, c'est des consommateurs. Mm-hmm. N'a pas essayé de sensibiliser Mounio à l'importance de la consommation locale. Kounia la local qui côté? Exactement. Local côté Oyé. OK. Ici, nous sommes à Montréal, local Montréal. Mais local pour moi et pour nous tous, pour un pile monde qui c'est immigrant ou bien petit immigrant, local pour nous, vous l'avez dit, la caille. Manger haïtien. Mais bon, c'est au continuum comme fait le j'ai l'impression que jeune que qui fait ici, jeune que qui grandit ici, senti au plus attaché à Haïti que en pile jeune qui vit en Haïti parce que nous pas connaissent. Oui, c'est ça. Et dans pile bagaille nous pas connaissent dans pays en fait nous vinn en passant c'est génération pas nous en qui commence parce que génération avant nous en parents te kon di oh Haïti pas bon pas l'Haïti gè kidnapping gè volé gè ceci gè cela mais nous même qui c'est génération trentaine nan, nous réembrasser culture là oui n'a cherché la vérité oui. C'est vraiment la vérité n'a cherché nous non air qui s'appelle l'ère de Vénus je crois de retour à la source exactement n'a cherché qu'on est côté nous sorti dans l'église moi j'ai grandi à l'église on s'entend moi j'étais catholique moi fait baptême moi fait communion moi juste pas confessé et pas confessé non confirmé ouais moi pas contre baillot et moi bien content pas fait petit bout de chemin ça parce que
moi pas là dedans encore. Mais moi à l'église depuis le début jusqu'à la fin et tout ça yo dit non, li pas fait sens dans tête moi, li pas vinn joindre moi. Mal l'école nan mitan blanc yo, on va se le dire, ça y a dit ça y a fait mode réflexion pas retrouver que moi pas retrouvé me la donne. Mm-hmm. Donc gon côté premier. Et je dis est-ce que 60% ou même? Moi ça c'est 100% moi-même parce que moi décidé de qui est-ce moi vleyé. C'est moi-même qui décidé que bon, jodi an, m'a vinn nan radio, m'a vinn parler de Expopreneur et du salon de la consommation locale, mais les ana lancé bay que moi c'est en vodou ils en m'était ka stopel. Non, moi décidé parler de ça tout. Donc moi c'est 100% moi-même parce que moi décidé. Tout ça fait partie de karma. Exactement. Voilà. Même genre tout monde décidé et yo décidé peut-être pas yo. Mais qu'on va que nous oublier par exemple les n'a chercher la vérité faut que n'aille faut que n'aille chercher bon source vérité hein. Qui côté quoi chercher vérité ça parce que si c'est dans main oppresseur ou chiré et qu'est-ce que moi me penser nous va parler de activité là demain c'est oui. le 29 ouais. Ça commence le 29 exact. Nous gain nous sorti loin ouais mais avant que nous parler de ça. Je pensais que Haïti a besoin pile, c'est d'abord conscient que y a un problème d'insécurité, mais pour Haïti relancer, c'est que nous-mêmes nous avons ouverture que nous avons jeunes qui en Haïti pas gain, que nous voulons faire notre bête. Et Haïti a besoin de nous tous, et pour un type d'activité comme ça, c'est une activité pour organiser en Haïti. Et je suis content parce qu'Anastasia lui-même l'a organisé, parce que c'est dans ça que je me suis rencontré Anastasia en Haïti. C'est premier défilé de cheveux naturels des femmes noires en Haïti. C'est événement que Levin a organisé, il était passé dans l'émission en Haïti, et puis il a tout parlé de ça. C'est là que je me suis rencontré avec Anastasia. Il y a un jeune encore, c'était Carla Beauvais que je me suis rencontré, qui t'a organisé Dîner en Blanc. Ça veut dire, là, ça a senti que gon connexion. Et ça, bah, on l'a ouverture tout, avec un ensemble de jeunes, parce qu'un ensemble de bagailles qui par contre organisé en Haïti, que jeunes haïtiens qui à l'extérieur viennent organiser, ou senti que pays a bougé. Mais ça permet tout que ou faire connaissance avec d'autres personnes, parce que les moi-même les malfaits en Haïti, des jeunes yo pas connais, exemple KL qui collection KL fait m'te rencontré là en Haïti, c'est moi permettre lui faire premier défilé que lui participer la donne, c'est lui qui était vedette et moi menel vin Montréal, pas Montréal non, Rimouski fait à des milliers de kilomètres de Montréal, à 9h à 7h de Montréal, moi menel à participer. Ça permet de venir une connexion entre deux pays yo. Et il est vraiment efficace, nous tous les deux sortis gratifiants et gagnants. Malheureusement, il y a crasé pays ça. Mais c'est malheureux. Si bon. Oui, moi gagne des fois moi perdu espoir. Parce que moi dit ah, pas grand rien cap sauver pays hein. Et puis moi dormi, moi levé en l'autre gens. Ah super hein. Moi dormi, moi levé, superwoman, n'a réussi, m'a fait tout ça que dans pouvoir, qu'on y a là on vient ouvrir on pote ouvrir l'âge pour moi pour mal. Haïti pour n'al faire en salon de la consommation locale haïtien. Ah super, super. Faut plugger moi. Non, avec plaisir hein. Non, mais sérieux. Avec plaisir. Pour me dire job moi, moi pas là encore. Et moi pense que en pile jeune en Haïti après tant nous karma parce que jeune en Haïti remet nous le nous vini, le nous vini fait genre d'activité ça yo parce que non seulement yo participer, yo senti yo dans l'autre ambiance. C'est pas seulement tout d'une parler de kidnapping dans oreille yo gon l'autre vision. Ça peut être que au même tour demain yo capable organiser une telle activité comme ça. Bon c'est que où sont pion et jeunes qui chili parce que m'a parlé de moi même voulais changer mentalité jeune yo jeune haïtien hein. Mentalité pour gon mentalité pour créer pour l'apprendre créer. C'est pas chita et pas les français ou bien le travail non McDo ou bien fait mendiant ou bien fait mendiant etc. Mais c'est essayer créer ou pas besoin pile pour créer. Non, ou besoin on l'idée, ou besoin ambition, même j'en ai pas parlé tout à l'heure, et puis ou besoin fait marcher brain nous. Chita, prends un crayon, écris. C'est pas ret sur Facebook, ret la caillou, ret sur téléphone, ou gagne pile travail derrière ça, mais faut que yo prêt pour yo fait travail ça. Exactement. Et qui m'a pas gagne problème c'est que gagne yo qui t'a du bon qui m'a et nous c'est quatre jeunes là qui vivent aux États-Unis, qui vivent Chili, qui vivent République Dominicaine. Qu'à vivre Brésil, nous avons un projet, est-ce que vous pouvez nous aider idée? Oui, ça fait partie de mes services, mais pour la cause, ma prétendue, ma bâtie idée, ma, et quand vous dites ma bâtie bon bête, et puis
s'il y a de l'ouverture, il y a de l'ouverture. Si yo pas fait effort pa yo, moi pas qu'à promettre que bah yo a réussi. Je suis tout à fait d'accord. Mais faut que tout le monde comprenne ça. Gagne en pile travail pour faire pour que projet en réalisé. Mm-hmm. Parce que une idée n'est pas un projet. Une idée n'est qu'une simple idée. Mm-hmm. Faut qu'on travaille idée. Hein. Faut qu'on travaille relation. Et ça prend du temps. Oui, ça prend du temps. Faut qu'on travaille réputation. Moi, je travaille réputation. Moi, je me lance dans le bagage sérieux parce que moi, t'es un genre de militante anti-religion, bagage ceci, cela. Mais tu as beaucoup changé, beaucoup mûri aussi. Oui, c'est pas mon combat. Mon combat, c'est au niveau COB. Qui gens pour nous rentrer cob. Exactement. Yo, si on a pique gros bagaille et parce que je pense que même si Haïti jodi ali na état ça, mes perceptions que gagne de Haïti à l'extérieur, c'est que là nous vini, yo te nous plus ou moins mettre nous ensemble, nous investir, on t'a respecté nous. Mais oui. C'est ça qui fait que vous pas respecter nous à l'étranger. Nous pas gain respect pour tête pour propre tête nous. Nous éparpiller, nous toute la journée c'est parler sous monde. Non, nous pas arriver comme ça. Exactement. Si tu as sur Facebook, fais zin, dis bêtises, etc., ça va pas nulle part. L'arrivée à l'étranger. Imaginons, mon dans son travail dans McDonald's, $12 de l'heure, l'arrivée là, Kali, au lieu de penser qui ça que le capable de faire avec TikTok que le bras le toucher, on conscient que faut couper bill ou fin. Parce que faut qu'on ait un budget. Faut qu'on ait un budget dans le budget. Imaginons, rentrer $500 le mois, ou payer un KM, on est $200 le mois, ça c'est un exemple. Mm-hmm. $200, faut ou épargner. Ou épargner au moins $10, $20. Ou pas qu'à mettre en greffe $200, en greffe toi. Tu sais, c'est tout ça. C'est pour ça que je me sens de conscientisation, ça yo. Et qui a ma son forme cheveux naturels, même les Noël, nous, les guetresses, c'est parce que nous vivons au Québec, il fait fret. Nous sommes mon cheveux naturels. Fait que nous-mêmes, nous pas investir l'argent, nous, dans des choses qui pas important pour nous. D'ailleurs, nous quoi nous remet beauté créole nous oui ça se peut que ça arrive parfois nous envelopper tête nous bah mais c'est ça mais ça pas veut dire que nous pas investir $200-$300 dans un bagage que qui pas utile nous rien fait que c'est tout plus, ça c'est, pour nous faire sensibilisation ça yo. C'est un bagage pour plaire à l'œil de l'autre. Oui. Et ça encore c'est un brainwash lié, c'est un lobotomisation lié parce que les m'ap gade Anna avec couronne liant, la crinière. Yes. Li magnifique. Et puis les m'ap gade moun, moi gen en pile moun qui écrit sur Facebook, qui rele m karma. Moi t'a remé couper cheveux, même pas sûr que ma belle. Qui j'en pour pas ta belle là? Qu'est-ce qu'il faut? Bon, ou quoi dans bon Dieu? Oui, si ou quoi dans bon Dieu? Qui j'en bon Dieu t'a fait faire erreur? Ou quoi dans loyo? Bon, si qui j'en loyo t'a fait faire erreur, c'est ça toujours m'a dit yo. Et puis le jour d'après, yo vini, tête calée et puis cheveux yo poussé et puis yo bien. C'est pour ça qu'on avait lancé aussi les 50 quand j'ai lancé les 50 nuances de beauté, karma fait partie de Younan Moon qui toujours animé 50 nuances de beauté. Yo, elle anime super bien. Je sais tout ce que Kema fait bon pour toi. Fait Kema fait partie, ça c'est Youn, elle est animatrice aussi. Fait Kema et toujours by Kema animé, m'gon raison pour ça. Parce que avant nous commencer 50 nuances de beauté, nous gon petit sketch nous fait. Côté m'a parlé en créole et puis lui-même l'a traduit en français. Mais ce qui est drôle dans cette histoire, c'est que nous pas jamais écrire. C'est juste nous faire en improvisation. Mais paroles sont tellement puissantes, ces paroles de conscientisation, parce que nous faisons un défilé de mode qui n'a pas de grandeur, qui n'a pas de hauteur, qui n'a pas de couleur. Nous détruisons tout ça qui est la stigmatisation de la société. Côté entrepreneuriat aussi, c'est pour ça que j'ai parlé de ça, parce que nous fait exposition des tables gain tout ça qui n'a bagala, c'est toute bagaille qui pour fort prendre conscience en tant que peuple noir, tu as du valeur. Oui, tu as de la valeur. De la valeur, excuse-moi. De l'ouverture. C'est ça. La possibilité, il y a the sky's the limit. Bon, Jason Derulo. Ouais. Les gagnants. Allô les gagnants. Oh, les gagnants là toujours. Oublié. Les gagnants. Les gagnants. Ah, et Kema, il y a plusieurs qui ont écrit au grand bel invité, oui, Jefferson. À la fréquence! Non, ma goumé! Aïe, bobo pour tout le monde qui écrit, aïe, bobo, bilolo pour tout le monde qui écrit, bilolo. Allô, les gagnants? Oui, n'attendons les gagnants. Ça veut dire me parler qu'elle me passe sous silence sur ça.
que m'a dit il choisit son combat. Il était un combat que il était là-dedans que le rend compte que il contre-productif, il choisit l'autre combat. Et combat choisi qu'on y a, c'est pour motiver nous particulièrement les Haïtiens à faire de l'argent. Mm-hmm. Faire de l'argent comment? Par l'investissement et surtout par la consommation locale. Ça me donne même un déterma, puisque c'est un monde qui fait à l'extérieur d'Haïti, l'a évolué au Québec, qui s'allie identifier au Québec qui c'est des produits haïtiens, ça veut dire qui fait en Haïti, mais qui exporte au Canada, qui capable constituer le motif pour la communauté haïtienne vivant au Canada, capable consommer tout en étant au Canada sans qu'elle ait besoin en Haïti. Est-ce que déjà, il fait identification ça, et en faisant cette identification, est-ce qu'il y a des initiatives qui allaient dans le sens création d'entreprise qui fait avec ces produits haïtiens? Et là, par contre, qui sa réponse n'a pas lié, mais m'a pour lancer ces questions. Si toutefois, pour un bagage qui fort qui existe au Canada comme ça, pour qui ça ne pas prendre initiative, regardez, différents noms qui sont si dynamiques, gagne Anastasie là, gagne Kema qui là, joindre l'autre monde, créer une entreprise forte, et puis faire exportation des produits haïtiens, créer un capable de grand bagage qui grandiose, et puis laisser la constitution modèle pour vendre partout, oui, dans l'autre pays, là, tout l'autre côté. Donc, bon, t'as de ou Kerma, donc, moi, je voulais souligner question de choix de combat. Il y a trois belles exemples compagnie dans Montréal, Québec, Montréal, Laval, Cap Fait Saoudien. Premièrement, si nous pouvons connaître page Botanica, cette feuille, ça, c'est un seum lié qui fait un Botanica dans Laval, non? Tout produit de Haïti au sorti. Donc, dans un premier temps, les moins décidés à l'acheter en bougie, ou en baleine, la Kaili, même en mouchoir, même en asson, même si je compte filer asson, si je décide à l'acheter en asson pour décoration, c'est la Kaili pour la Kaili, parce que je connais que produit ça yo sorti Haïti. Ma baïkop pour Haïti, ma baïkop pour ceux qui kap vivre ici, kop n'a pas entré ici, kop n'a pas fait Haïti. Gagne un passerelle. Je salue Sarah Rabrun, gagne un passerelle. Qui confesse ça tout avec artistes d'Haïti, surtout artistes peintres, artistes sculpteurs, belles sculptures. Là, nous arrivons à Haïti, nous descendons à l'aéroport, nous avons marché sur la route de l'aéroport. Nous, tout artiste, c'est pas un égard et acheter une. Non, passerelle décide de faire une compagnie, un business ici dans le Canada pour promouvoir ces artistes-là. Gagnons l'autre tout comme qu'on aime. Par contre, s'il est toujours là, pinceau la caille. Oui, Pinceau Lacaille, ouais. Pinceau Lacaille. Darlene. Exactement, Darlene Finius. Oui. Lui même tout, c'est un gérant d'artistes. Lui prend artiste en Haïti, artiste peintre en Haïti. C'est un très beau tableau. Au gain, un tableau, il fait, c'est moi-même qui l'a tellement saisi. Après, le mystère, il prend fantôme, et puis il remanie peinture, et puis il fait une belle peinture parce qu'il cherché sur Google, belle femme créole dans une robe créole. Ouais. Moi, tombé sur Google. Yo prend. Bref. Donc, gagne une compagnie comme ça qu'elle fait déjà. Donc, faut que nous-mêmes, nous, au courant de compagnie ça, moi, l'on met trois, gagne plus, c'est sûr. Il y en a beaucoup. Gagne fruitement vôtre, qui compte à chercher mango yo juste à Haïti pour y vendre ici. Moi, n'a pas acheté caisse mango, mais ces mangles-là, elles sortent d'Haïti. Donc, gagne un moyen pour nous faire vivre la caille et local, même là où il cite. Wow, merci infiniment. Et... merci. Mais on va souligner un bagage différent qui, c'est pas que moi je voulais insister sur le négatif, donc c'est peut-être un appel à combattre ça à la caille. Nous avons une question de méfiance qu'a tué nous, une méfiance les uns envers les autres. Ça veut dire qu'il empêche nous constituer des véritables réseaux. Parce que je dis, c'est une question de réseautage qui permet de nous capables de grandir vite. Donc, ces initiatives-là déjà existé. Félicitations. Mais mettez en réseau tout l'autre monde qui a l'autre idée, qui voulait faire l'autre bagaille. Et puis, renforcer peut-être nous constituer des groupes qui forts, qui puissants. Et là, ça n'a pas multiplié, ça nous capable de gagner comme ressources et comme revenus. Et ça permet l'autre monde tout capable. Qui prend des élans économiques et
Et c'est une façon pour nous capables de respecter surtout les noirs vivent dans des communautés qui ne parlent pas nous et que nous avons besoin pour nous capables de faire respecter nous dans cette communauté-là. Encore une fois, félicitations à tout le monde qui prend de telles initiatives. Bon, Mthio, mon bagay nous gagne la caille, moi, nous pas de jamais mettre en valeur. Anessa, lors de 50 nuances de beauté, je mettre en valeur. Tissu et tissu qui est les carabés là. Sont très belles tissus liés que mais Kerma gagne sous lit. Non, Kerma c'est vrai. Fait tissu carabella, ça me t'ai remarqué, que haïtien pas bay tissu ça vraiment en pile importance. Et nan défilé moi t'ai fait année ça nan Rimouski, moi t'ai dit c'est Haïti à Montréal à Rimouski. Et moi t'ai cherché haïtienne qui sorti directement d'Haïti pour venir faire participer et dans défilé de mode ça. Et moi t'ai dit Kael depuis en Haïti, moi dit Kael l'autre vini, moi pas vle l'autre vêtement, je suis désolé, je ne veux que du carabella. Et Kael t'écoutez pour de vrai, il t'ai sorti une belle collection de vêtements carabella avec sac qui sorti directement Haïti, qui parti tant coup pain chaud, blanc yo acheté autant coup pain chaud. Fait ou gade ou gagnon envoûtement quelque part, mais comme les gagnants fait dit, nous gagnons question de confiance que youn pa fait l'autre. Ouais. Faut que nous travaillons sur ça et puis coronavirus la cap pété bouda nou. Mais faut que nous travaillons sur un pile bagaille, faut que nous travaillons sur éducation. Qui éducation qu'on a la éduquer moun kap ba éducation, on a éduquer gouvernement, on a éduquer et moun kap fait ti moun. Faut que nous éduquer tout le monde sur plusieurs niveaux. Moi même pense jeune dans kono faut qu'on en Haïti n'a pas avec élève l'école yo parce que élève l'école yo sincèrement il y a un grave problème d'identité parce que ça a pensé mais yo pas bon en 2018 ou songe l'aime Haïti en 2018 moi fait du primaire au à l'université côté m'bay conférence gratuitement malé nan surtout vers le sud malé vers Okaï vers Jacmel tout et tout et malé la Gonave tout moins rete Port-au-Prince côté moins bay conférence sur l'estime de soi et la valorisation de soi m'bay jeune sa yo conférence gratuitement dans université m'kon fait deux universités en Haïti et m'te dit que mama menen gè de bagay nou pou commeté et pas bien biro. Gère bagay nou pou commeté en nous parce que côté moi toujours des pas pour bien gouverner, parfois me perd boudam tout. Tu nous mettez toute bagay ça en application, nous trouver bagay ça très important et nous c'est nouvelle génération. Comme ça ou après, là même Jean Kemaso dit, l'elle investit dans botanical, li investit dans moun ka viv au Québec et investit dans moun ka viv en Haïti. Si nous pas penser comme ça, si nous pensons c'est tout envoyer $2, $3 bay moun en Haïti, Haïti pas jamais débloqué. Faut nous ka penser investir dans moun nan. Permettre que moun nan ka font commerce qui à terme durable, permettre que des séries de bagages ka développer à terme durable. Et Haïti son terrain qui vierge lié et très vaste. Et... Son terrain qui vierge, mais c'est un terrain qui permettez-moi de dire le mot indigène, oui. Parce que les moun de l'extérieur, moi-même, si me décide à le faire en business Haïti, je ne serai pas la bienvenue. Vous pensez ça? Il y a un peu de monde qui plaint de ça. Non, ça dépend à qui est ou en contact. Je ne vais pas penser ça parce que... Ça dépend de réseau. Yeah, c'est réseau à qui est important. Mais le problème qui gagne Haïti, Gonti groupe qui est tête aux élites, bon... C'est ben, pour, ça oublie ça. Pour ça. Non, pas faire nerver. Non, parce que. Parce que. Ah, pas aller de moun sa yo, Jefferson, non, parce que, conseil de type de business en Haïti, c'est moun sa yo qui fait yo. Imagine, on sort à l'étranger, vous voulez venir faire business sa yo, moun sa yo. L'a stoppé. Exactement, il y a fin à vous. Il faut que. Problème, c'est problème l'État. Faut que gon ouverture. Sincèrement, on seul bagaille que l'État ici a besoin. Just mettez sécurité dans le pays. C'est tout. Haïti a développé. Parce que. Pour diaspora haïtienne, non seulement qu'à développer Haïti. Bien sûr, on envoie plus d'argent en Haïti que tout le monde. Oui. Non seulement ça aussi, m'a regardé là dans Québec. Nous pensons que si tu as une sécurité en Haïti, tout Québécois qui descendent dans le sud pour aller Cuba, République Dominicaine, puis faut aller en Haïti. Pour qui ben ça oui. Avec l'anglais. Ben oui. Parce que Haïtien comprend français. Leur arrivée République Dominicaine, il y a une difficulté pour parler. Ça, y a monde qui comprend. Exactement, leur arrivée Cuba. Mais, une grande question pour vous, par exemple, une question pour tout le monde. Non, je vais faire juste une parenthèse.
c'est que il était connu déjà dans les années 50, 60, 70 jusqu'au début des années 80. Et nous t'a parlé de Daniela aller vers le sud de Daniela Ferrière. Là pour elle a parlé donc question de tourisme sexuel, mais c'est en réalité le délire. La zone sud, dans la zone nord, parce que ça a été existé dans le pays. Ça veut dire, lorsque le pays a un minimum de sécurité là-dedans, même lorsque il y a une propagande qui fait au cours de la dictature, et de cette dictature, elle était féroce pour Bagali, mais c'est le moment ça y est, souvent dans l'histoire culturelle d'Haïti, qu'on joue un plus d'activité touristique qui était faite. Plus qu'on déconnecté. Donc, pour qui ça? Eh bien voilà, pour qui ça a même une dynastie qui t'a fait en Haïti, hein? Dynastie là. Haïti t'a gagné plus meilleure cuisine qui existait sur la planète, hein? Haïti gagné le débat. Moi-même, question m'a posé, tant aux dirigeants haïtiens qu'à la jeunesse haïtienne, pour qui ça, tout le bagage ça a été possible de prendre vie culturelle dans le pays, hein? Sous la dictature, alors que nous disons, sous forme de parodie de démocratie, nous tuons. J'ai l'impression, pas bien qu'on y soit Haïti, mais sous ça, maman, ma papa me dit, moi, les nous décider, les nous accepter, faire route, faire bagaille ça, yo, c'est là que nous commençons à faire mendiant. Est-ce que je me trompe? Non, ça, c'est un plus gros problème à Haïti, la mendiancité. Non mais bon, cette question de mendiancité, c'est une mentalité. Mm-hmm. C'est ça fait que me dit tout ça que nous avons fait, c'est frapper mentalité population haïtienne. Non. Oui. Moi, je suis un grand monde 50 ans, 60 ans, surtout les diplômés illettrés qui pensaient que... Non mais bien c'est dit, vrai. C'est bien dit. Mais qui pensaient que vous connaissez parce que c'est au cas des pays. Moi-même, c'est jeunesse haïtienne surtout. C'est seul et groupe que nous sommes capables de miser sur eux. Et gain là dans yo qui commence à entrer dans la politique en Haïti, c'est pas faute qui corrompu vu que son système yo vinn yo obligé rentrer là dans comme ça parce que yo pas changer pour compte yo. Mais nous même que qui à l'étranger et vraiment féliciter nous en passant une question pour vous, et qui même pense que Anastasia qui répondre tout vu que même plus branché dans question business entreprise. Anastasia dans business tout mais Anastasia dans côté Anastasia dans militantisme. Moi trois militantes ça n'est même pas impact sur tout à fait. On retirer comme de militantisme pour comprendre. Kerma okay, mais question non. Vu que vous faites ici, ça m'a dit à Okawel. Par exemple, dans la zone Saint-Michel, Montréal, Nord, etc., moi, remarqué que un paquet de bonnes gros business qui vendent produits haïtiens, c'est surtout entreprises arabes. Oui. Oui. Et faut que nous commençons à garder sous yo. Il y a font l'argent sale sur haïtien là. Mais chinois, yo tout. Chinois, comment c'est fait là? Tout beauté et rayo, c'est pas pour noir, yo. C'est, mais dans le sens des produits vraiment noirs là qu'ils vont chercher en Haïti, ce sont les Arabes. Moi ça me pensait c'est que yo même yo chita yo pensé yo réfléchi. Exactement. Oui. Et puis yo dit bon qui j'aime qu'à exploiter yon peuple qui pas par contre qui j'en pour investi et qui aime consommer. Mais yeah. On prend même plus loin. En Haïti, qui est-ce qui pique gros businessman en Haïti? Yeah. Ce sont eux Arabio, encore. Arabio, yeah. C'est où est le problème? C'est comme si nous-mêmes nous pas qu'on dirigeait. Où est le problème? Le problème ne se porte pas seulement au pays, non? Ça s'exporte aussi. C'est un problème c'est de fou. Nation. C'est yeah. Un problème qui est ancré dans notre ADN. Non, mais parce que éducation nous tue, nous. Imaginons, éducation, c'est pas au cœur. Il ne peut pas permettre qu'on réfléchisse pour créer, s'écraser, ou même peut-être ou chanceuse et Kerama, ou grandir ici, ou dans l'école ici. Moi-même, subile, parce que l'école en Haïti, c'est à l'écraser un paquet de bonnes histoires géographiques. Qu'on ne peut pas même comprendre, à le vider de mon professeur, de vous bien vider, ou faire 10. Ici aussi, c'est juste son autre manière, regardez-moi même. Mais, je suis à l'université, moi dans HEC, yo mandé pour m'a fait en série de examens, c'est du par cœur. Moi pas même compte ça m'a dit, moi pas compte ça m'a fait mais depuis que j'ai la bonne réponse, moi bon. Oui, mais depuis que c'est en ligne, bah yo changé parce que yo comprendre que nous gain toute réponse devant nous. Faut que yo fait nous penser, faut que yo fait nous réfléchir, c'est la même affaire. Exactement, mais par contre sur HEC, mais disons l'école ici aussi des questions réflexion, le nom de lettre, le nom de droit, etc. Il y a une question de réflexion là-dedans. Et que, il y a une question. Parce qu'en Haïti, il est différent. Nous faisons faculté de droit en Haïti. C'est pas la même chose. Il y a un professeur qui vient. Bon, il y a un professeur qui te fait intro au droit. Les autres, ils même les mêmes mots. Même virgule, il ne faut pas qu'il n'y ait pas de vide le bali.
moi sincèrement introduction au Bason Jean-Rien là dans Just Parking ni mal vidé. Ndé fait 80 pour lui voir comme ça. Bason Jean-Rien. Ça veut dire que yo pas yo formaté nous comme robots. Les effets pervers de l'esclavage. Exactement. C'est comme des robots et que tout soit gagné dans tout, sorti faculté de droit, bon, sou gen chance rentrer barreau ou à l'avocat chercher un petit job etc. ou bien ou entrer dans entreprise ou entrer dans banque ou à faire vie ou. Eh ben c'est ça qui fait leur arriver ici, yo pas reconnaître diplôme ça. Ouais. Mais diplôme université d'état d'Haïti a, ça dépend de qui faculté au sorti, yo reconnaître lui. L'autre yo disons yo vraiment gain difficulté pour reconnaître yo. Même si que yo commence à poser mettre point d'interrogation des ensemble de diplômes, ensemble de facultés par exemple, faculté de médecine en Haïti, yo commence à mettre point d'interrogation d'elle vu que qualité a pas même. Par exemple, moi je vais ici avec parce que c'est plus théorique, non la pratique. Moi je vais ici par cœur. Moi je vais ici avec licence droit maintenant, yo reconnaître lui. Oh, c'est bien. Mais par contre, gain côté que gain faculté qu'on sorti, yo pas reconnaître lui. Ouais ça me dit là. Et me penser que c'est ça qui fait que nous penser comme ça. Gon bagay fòn gonnen, bon c'est que génération pa nou an, fòk nou chita pou nou byen defini sa nou vle fè. Système éducatif que nous gagnons, son système éducatif que Occident pensait pour nous. Mm-hmm. Parce que pas oublier que nous sommes peuple qui très intelligent. Oui, trop. Façon que nous prenons indépendance, yo dit peuple ça, si nous quittons l'aller comme ça, nous pas contrôler peuple ça. Nous pas contrôler monde. Première façon pour contrôler un peuple, c'est l'al. Mentali. C'est dans mentali. Eh bien, yo pense éducation pour nous, yo vinn imposé. C'est ça fait quoi que plus grande l'école en Haïti, c'est l'école pour organiser. Al questionner, al font regard épistémologique sous système éducatif haïtien. Qui est-ce qui pensait le Sénèque ça vous pensez? Sénèque disons occidentaux avec l'école pour organiser. D'ailleurs, yo dis que c'est eux même qui meilleur l'école. Yo t'es quand meilleur l'école, vous mais qualité a pas bon. Ouais, ça me dit là. Bon. Différence de mon parenthèse parce que il y a plusieurs bagages qui dit là. Nous avons insisté sur lui, de Kerma qui parle des questions. Nous avons ADN de bagaille qui fait que nous n'avons pas qu'à entendre nous à clope, jusqu'à ce qu'on batte sur la question de l'éducation, et puis une question de séquelles de l'esclavage. D'où, ça même nous a posé problème que nous abordons plusieurs fois avec des invités dans l'émission déjà, sont questions anthropologiques. Mais, bonne cité, il y a une étude qui a circulé dans la presse américaine récemment. Côté que, il y a fait remarquer que l'histoire de l'esclavage, l'histoire de la traite transatlantique surtout, les modifier ADN de monde qui descendant esclavieux. Et, pour que ça, on a les questions ça, parce que son étude qui nous donne pas des grandes universités américaines et européennes, et ils ont fait dans plusieurs pays et ascendant de descendance noire. Tout ça, ça a été important pour nous souligner, c'est pour les raisons qui ont système esclavage à gérer nous. Ils ont créé conditions de division, ça. En débauchant, depuis notre transport et nous sommes en Afrique, les autres films exterminés non sous territoire pour vivre dans le champ. Ils ont créé une situation de division, mais installé, on est capable de dire, un chef qui est esclave, qui est noir, même là, voilà. Ils ont dit, le esclave à talent. Ils ont mis pour corriger l'autre esclave, même qui fait paraître. Ils ont créé une suspicion légitime entre nous. Et vous avez ça absolument qui fait que, question entrepreneuriat, on a parlé là. On a besoin de petites initiatives qui peuvent avoir un impact sérieux parce que tout simplement, nous avons méfiance contre l'autre. Et nous avons des sentiments, des ressentiments contre l'autre. Et pour qui ça me passe l'important de prendre parenthèse, c'est parce qu'on pose la question de l'éducation. Parce que le travail de réformateur, c'est ça que vous parlez. Il n'y a pas de lien contre le café dans le système éducatif. Mais je dis, le système éducatif, ça a géré par les frères de l'instruction chrétienne, le service de l'universalisme français côté le soutien. Et je dis, l'orgue système, ou bien cerveau qui l'a tête pour ça, et l'Américain dit, bon, j'ai le matériel là, avec une question de fausse démocratie, qu'il y a fait donc punition pour Haïti. Et puis, il n'y a pas de monde qui apprend ça en compte. Et c'est peut-être une bagaille qui fait que je ne pas trop tenir de rigueur. Là, on va parler de monsieur intellectuel. Parce qu'il y a un comportement tout simplement
pas de véritable causé à situation ça yo que n'a décrit là qui constitue l'un des aspects le plus fondamental du problème haïtien et que c'est yo qui a pérennisé situation ça yo. Donc c'est ça que là nous a parlé des questions nouveau calcul émission yo. Mais nous angoissons parce que tout simplement ça n'a dit là yo font déjà des cellules qui réfléchissent la société et qui pourraient pour appliquer yo. Ça vient faire de nous des véritables mondes qui pleurent, mais j'en veux mondes qui pleurent la société. Donc, vous devez souligner ça une autre fois, une fois encore, pour montrer que, mais là, qui ça nous prend la société haïtienne. Bonjour, et moi, je plus à voler sous échelle entrepreneuriat. Il y en a plus gros entrepreneurs que nous connaissons nous en Haïti. C'est qui est-ce? Ce sont nos arrière-grand-mères. Nous souvent oublier mais c'est plus gros entrepreneur que Haïti pays pauvre qui a gagné nous stigmatiser yo mais c'est ça nous c'est ça va dire nous relé au machin et c'est plus gros comptable qui était qui a gagné c'est eux même parce que moun sa yo en pile nan yo pas à l'école pas jam chita sous bon l'école mais pas gen moun qui compte contrôler l'argent que yo. Est-ce qu'on comprend ça Mabdoula? Pas gen moun qui compte faire genre de bagage ça yo que yo et tandis que nous stigmatiser yo, nous mettez yo bas comme si yo pas vendre les madame Sarah, moun qui c'est moun Haïti yo. Nous compte ça Mabdia, haïtien et moun ça yo c'est une qui créé plus grand banque qui t'est existé. Ce sont les madame Sarah, les yabdou comme ça, y a fait sol, y a fait sol. Regardez l'argent, c'est plus gros moun qui t'est qu'a existé. Moi c'est que mal là. Non seulement nous stigmatisons, nous excluons. Parce que, il dit que ça, ou même, grand prix d'exemple que je connais, grand dame que je connais, lui-même, c'est marchand d'été, il était marchand de toile, il était de petite, on s'est de petite Saint-Louis. Ok, alors ça a niveau petit là, il étudiait, disons, à l'étranger. Ça veut dire, ouais, que, il bataille, le petit là a retourné, puis il a travaillé, BRH, puis il a rencontré qui est maman. Et pourtant. Et ça, son cas, sans prix d'exemple, parce que, automatiquement, que si mon dieu, par un fait, pour mettre dans l'école, ça veut dire que l'école en Haïti, yo, on a monté qui est ces mamans. Si moi, on sortit marchand, cap vendre dans le marché, et que yo, on dit, mais qui est ces mamans. Si papa, par exemple, papa, son boss maçon, yo, on dit, mais qui est ces papa. Par contre, c'est l'argent boss maçon, ça, c'est l'argent marchand de toile, la marchande. Et c'est eux qui choisissent l'école, ça, et pour nous, pour nous mettre nous. Si nous venons quelqu'un jeudi, c'est grâce à yo, ça veut dire, moun, ça, yo, c'est encadré business que y a fait. Parce que, yo c'est expert dans ces affaires, yo connais, yo connais ça. C'est ça m'a dit. C'est encadré yo, poussé yo. Moi même ça qui peut faire mal là, c'est surtout agriculteur yo. Oui. Parce que agriculture dans un pays, c'est un pilier économique pays ya. Yo minimisé yo. En pile, yo minimisé. En Haïti gon bagay, sou pas avocat ou pas ingénieur ou pas docteur ou pas moun. Mais c'est grave ça. Mais ça c'est une mentalité, c'est un brainwash encore. Mais c'est la mentalité de l'esclavage. Exactement. On veut ressembler à nos maîtres. On veut ressembler à l'oppresseur parce que si nous t'es fiers de maman nous avec papa nous, nous pas t'as un problème, montrer qui est-ce qui t'es voyé à l'école. Et aujourd'hui, moi mal l'école, ça que j'ai appris moi, c'est pas que moi t'as qu'à chita avec grand moi pour lui te montrer, bon, qui est qui pi bon moment dans journée pour m'a sorti sur et ça yo qui est qui pi bon moment dans journée pour m'a sorti radio parce que li connaît qui est l'école a fermé qui est moun so travail qui est moun a passé devant pour y a pas acheter rad pour y a pas acheter et surette pour y a pas acheter bière ou whatever ça y a vendre c'est tout ça m'a prendre et faire l'étude de marché non. Planification bah, yo pas dans tout bagage ça yo exactement et c'est yo même qui t'ai gagné dans tête mais nous pas aller plus loin dans ça n'a dit Kerma, ou regardez ou vie ou on société qui prêt aller à la dérive, OK? Société haïtienne qui en Haïti a prêt aller à la dérive. Pour qui ça? Parce que yo pas prend considération et morale ça yo que grand moun yo te gagne. Yo pas même avec moun ça yo encore, koun ya y a tant si on moun qui pou langer la main ba yo. Tandis que moun ça yo te konn a casser patate là, yo te konn a casser banane non, et puis yo mettel sous tête yo pral vann. Koun ya tout moun besoin intellectuel, tout moun besoin arrivé en avant. Fait so, fondamental de dérive haïtien, le plus profond que ça nous pas comprendre parce que père et mère fondateur d'Haïti yo, nous pas ba yo importance que nous t'es supposé ba yo et jodi a n'a pas
payer conséquences là parce que nous pas encadrer et nous pas faire servir de mentor. Voilà oui. Le mot et mentor. Mentor et non seulement ça, gagnent chanter cousin pendant que n'a pas les de l'agriculture, gagnent chanter cousin qui cousin, dit yeah. Oh vieux grand mounio, fin mouri, c'est jeune mounio qui rete, mesdames qui mette n'a fait pour mener, mais ces dames qui mette n'a fait pour mener parler moun malo. Et c'est ça n'a propos du kounia. Vieux grand mounio fin mouri, nous pas mandé yo ça, ça yo te kon fait, qui j'en yo te kon fait, qui j'en yo fait ça. Kounia là, ça seulement n'a fait, c'est sous Facebook. Parler moun mal. Parler moun mal, fais zin, et rete sur Facebook, fais ceci, fais cela. Moi-même, c'est activiste, moi. M'a cherché zin parce que m'a cherché avec blanc. Vous comprenez ça? Non, mais là, m'a pris les bagages sérieux. M'a pris les bagages sérieux. Ou inscrit ou non en ligne. C'est-à-dire, bien sûr. Une cause ou pour défendre. Bien sûr. Chaque monde fait une cause. C'est pas chita toute journée, dit bêtises et. Pour mener parler moun mal. Ça fait pas de sens. Imagine nos jeunes n'enlevent pas toute journée sur Facebook. Yo, réglo bagay avi ou. Ali par exemple, histoire. Parce que blanc, nous, ou ka exploite yo. Mais oui. Ali histoire Warren Buffett, Ali Napoléon Hills, gonsek de moun, Ali yo, moun sa va inspirer ou pour créer. Oui, parce que c'est yo même qui te prend ou sot di Napoléon. Napoléon, mou retire chapeau devant. Ah ouais. Oh, mon cher, ouais. Comment est-ce que tu sors de la France ou ap vin fè, tout ça ou sot fè, gade kote nou yé jodi, hein? Nous pas ka penser peut-être pas nous, Haïti en dérive, nous pas ka fè comme pas nous, peut-être yon moun qui pensait à craser nous. Moun sa fo. Kema, on a plus le temps de penser que faut que nous rentrions rapidement dans le salon de la consommation locale. Qui ça cap gagné dans le salon hein, et comment moun capable participer à qui le lab commencé rapidement, dis-nous. Donc, rapidement, laissez-moi vous dire que, même quand c'est français ou bien col pour me parler, je vais parler les deux. Laissez-moi vous dire que le salon de la consommation locale a été pensé pour sensibiliser la consommation locale, comme on a dit tout à l'heure. Kounia la gen, consommation locale ici au Québec, mais moun qui a pi présent dans le salon, ça, c'est nous-mêmes haïtiens. C'est mon réseau, c'est moi-même, c'est eux-mêmes que moi décidé. Mettez de l'avant parce que c'est eux-mêmes qui autour de moi. Donc, le salon de la consommation locale a changé un petit peu de déroulement et on a fait ça, on a pensé à vous, la meilleure pour ça, sur 5 semaines. Donc, chaque dimanche, 11h, boule, soyez connectés. Expopreneur MTL sous Facebook, sous Instagram, sous YouTube, sous LinkedIn. Expopreneur EXPOPRENEURS. Pas oublier S non parce qu'il y a un pile entrepreneur. Coller MTL sous lit ou abjoint lit tout côté. Donc, l'app sous Facebook, l'app sous Instagram, l'app sous YouTube pour moun yo qui pa gen Facebook, qui pa gen Instagram, branchez nous sous YouTube, gen LinkedIn tout et ça, on petit capsule, 45 minutes au maximum côté n'app ouais. Entrepreneur qui a présenté nos produits, côté n'a pas suivre yon causerie parce que nous faisons causerie tout et m'a salué maman qui a coûté nous sous live là tout. Maman qui est modératrice cause rien, c'est une infirmière liée, c'est pas une animatrice, mais li mette chapeau animatrice, li joue ça, li anime yon causerie qui a parlé de la COVID et qui j'en moun sous terrain, yo, que ce soit conseiller de ville. Les gagnants, j'ai brillante là, les gagnants. S'il te plaît, on met pas les excuses. Chien, yo, oui. Donc. Non, bagan boula, bagan boula. Ah, ben, ok. Donc, toute qualité moun dans Montréal, dans Québec, là, cap fait des bagages souterrains, que ce soit entrepreneur, que ce soit un Québécois qui fait un groupe sous Facebook qui réunit plus que 40 000 monde sous groupe ça, qui groupe dans les j'achète Québécois, j'achète local. Donc, toutes sortes de monde cap fait de belles bagages ici, dans Québec, là, nous réunissons pour nous parler de la COVID et fait que sa crise sanitaire gagne sous état mental moun. Donc, ap gagne entrepreneur cap montre yo bel bagay sa yo kon fè, bel produit pou cheveu, bel lipstick, botanica ap la tout, l'autre entrepreneur cap la, et nous, monsieur, chaque dimanche. Qui mêle nou avec yo? Oh oh, monsieur yo, bon, est-ce que fè m'changer noir? Non, non, non. Monsieur yo, wap ka jwenn sa ki prochain cadeau
n'a pas maman nous avec mesdames nous mesdames nous yo parce que nous connais nous oui mais ça ici mesdames nous yo c'est nous et petite fille nous yo mais a bien l'autre service ou comme si vous besoin en service immobilier a bien nous a bien belle publicité sous lit service pour gérer corps ou belle publicité mais faut que nous là chaque dimanche à partir de 11h sous toutes les réseaux sociaux que moi nommé yo et à qui la fin la première à 5h. Non, c'est petite capsule parce que si okay, besoin okay. Nous là chaque dimanche, on pas qu'à kembe nous toi ouais. Toi longtemps. Okay. Donc 45 minutes, 1 heure maximum chaque dimanche, commencer demain 29 novembre, arriver juste 27 décembre parce que de toute manière la vie en fait mais pas rien nous qu'a fait. Donc dimanche 27 décembre, c'est le dernier et là fini avec un bel hommage pour Doudou Boissel. Yes. Moun qui pas le père Doudou fondateur Boissel, de du jazz de Montréal. Festival de jazz. C'est pas un blanc te créé. Je dis à yo ba un blanc mais c'est pas un blanc créé. Son nom moi qui crée son ouais qu'a fait tout le monde sorti à travers le monde vinn à Montréal à chaque année c'est l'idée de noir ah. C'est un noir qui l'a créé festival du jazz de Montréal yo ba yon blanc ah wa pas George à tout George yo bali mais yo pas ba Doudou Boissel principal ouais et c'est ça que nous la jeunesse ici on a réclamé et c'est vraiment la jeunesse haïtienne qui l'avons réclamé et Doudou Boissel malheureusement au grand malheureusement nous a quitté en mars l'année dernière. Oui, j'ai tellement pleuré sa mort. Et c'est ça que fait m'a fait hommage non parce que chaque année il est toujours il est oui Kermal toujours je suis là. Là avec toi la jeunesse vous la jeunesse est en vos mains je tous nos là. Événements tout. Il est toujours là. Toujours donc, là. Chaque avant de finir, mes amis, nous connaissons fin parler de Kerma. Chaque dimanche. Je vais juste prendre 11 secondes pour me saluer Karen Cadeau. En bas live là qui c'est maman Kerma. Pour qui ça me fait salutation spéciale ça, c'est un monde moi remet en pile, lycée beau. M'gon raison, chaque soir me dit m'gon raison fait. Et moi c'est premier monde qui mettait yon mambo ak yon pasteur Chita dans yon conférence dans Canada pour nous parler de santé mentale. Oui. Et c'est pour ça me prend temps pour me saluer parce qu'elle était acceptée et on garde ouais c'est deux professionnels qui Chita parce qu'il faut que choisir pasteur autour mm-hmm. Parce que pasteur qui veut monter. Pasteur là il était bon, c'est oui. Un docteur. Oui, c'est un docteur. Fait nous-mêmes n'a travaille sur mental moun, nous pas travaille pour division. Mm-hmm. Côté n'a fait chrétien ak pasteur réuni parce que chaque moun gen droit à religion yo vle depuis youn respecte moun bon et fait, ben, moi te vle saluer pas fait jaloux et elle m'a dit aïe bobo oui. Amen bon moi pas vle faire jaloux t'aime. Mais pendant maman me sous live non faut me saluer papa m'dou oh oui je salue ton père monsieur allô Audley je salue ton père parce que c'est un homme qui m'aime énormément que j'aime énormément un homme très sage. Ben, tu vois le produit. Qui est-ce par moi, Anastasia? Richard Martino! Mathieu Boycotté! Les racistes du Québec! Anastasia, c'est pas ça l'émission. Excuse, c'est moi qui a parti cette phrase. Merci vraiment. Et Kerma, est-ce que vous capable juste conclure pour nous? Ben, bien sûr. Merci. Alors, premièrement, merci beaucoup de ce que nous recevons à moi dans bel bon, studio. Ça. C'est un honneur pour nous. Hein. Oh, c'est un honneur pour moi. Bon, on est en partage. Honneur à respect. Alors, bat bravo pour la jeunesse internationale. Merci pour cette opportunité. Moi, lancer un message parce que le salon de la consommation locale, Pabli et Gong, localité tout côté, Moun dans Chili, nous voulons partir au salon de la consommation locale. Mm-hmm. Mon Facebook. J.M. Kerma, J.M. Kerma, nous qu'a prononcé J.M. Kerma. J.M. Kerma, écris-moi, n'a pas joint un moment, n'a pas joint un moyen pour nous faire et localité ou en monter. Parce que là, n'a pas dit localité, n'a pas parlé de haïtien, tout c'est haïtien nous y est. Donc, al suivre nous sur toutes les réseaux sociaux. Yo, Expopreneur, pas oublier Eslanguin, pile entrepreneur, Expopreneur, MTL.com, sous Facebook, Instagram, LinkedIn. Salon a commencé dès demain. Bat bravo pour la jeunesse. Vraiment, c'est une belle initiative que nous gagnons là. Ton père a dit merci. Ben oui. Ben, on t'aime, là. On t'aime. Allô, Audley. Donc, map tout
m'ap tounen parce que ça fait vraiment plaisir pour moi participer dans un débat comme ça à côté point de vue nan gen valè. OK, parce que bien souvent mal Haïti yorele diaspora. OK. Aime pas très bien ça. Donc merci de me faire sentir à l'aise. Ti créole moyen moi pratiquer parce que c'est ici que moi fait, c'est français qui langue maternelle moi, yo di li écrit sous papier hein, mais moi attaché. Et pour bail ça yo presque tu aime là oui parce que me dit me pas veut parler français hein. Je suis tellement content. Le moment de faire émission me dit qu'est bon, parce que une heure, tu n'as pas les français là, Kerma. Ah, mais pas les français. Anastasia a dit, non, parce que, c'est pas important. Parce que je pensais qu'on va parler créole. Ah, mon cher. On a réglé ça après. Ah, bon, qui beau. Alors, moi, pas contre qui j'en nous fais mot de la fin, mais si nous poko, like page. Radio Bat Pavo pour la jeunesse, nous fait zéro. Al fait le kounyan là. Si nous pouko like page Expopreneur MTL, nous fait zéro. Al like page là. Et puis, m'a tout profité de remercier les techniciens qui font un bon travail. Monsieur La Grandeur. Le gagneur. Le gagneur. Le gagneur. C'est un plaisir. On va se reparler et se réécouter. Nous sommes en ligne. Ouais. Exactement. Et puis, bon, je vais vous laisser le reste. D'accord. Les gagnants à Palais, oui, les gagnants à Palais. Les gagnants concluent pour nous, s'il vous plaît. Bon, eh bien, merci, Jefferson, parce que vous menez un jeune avec un esprit positif comme ça pour parler avec la jeunesse haïtienne qui est papillée partout dans le monde. Kerma, merci beaucoup. Et moi, je pensais que nous allons continuer à communiquer même par l'esprit parce que gon synchronicité déjà qui passait entre nous. C'est pas pour faire jalousie à Anastasie. Bonsoir tout le monde et à bientôt. Yo, moi, parce que vous avez parlé où la Ligue 1 va remonter, ma bataille ou même. Nous c'est you, non. Eh bien, pas quitter Covid la passer pour me traverser Montréal. Ouais. Anastasia. Ben, moi-même, nous toujours connaissons un plaisir pour moi avec nous et moi remet avec nous. Et je t'ai parlé avec Jefferson. Moi, dit Jefferson, écoute, allez piger dans mon réseau parce que réseau m'lan, il y a des séries de potorique jeune qui la donne que moi pensais les gagner fonti frère fonti gérer brillant et moi non non m'a gagne bruit bon côté m'a gagne bruit et bien gon monde qui a fait bruit là et moi te dit Jefferson dans réseau gagne un paquet potorique jeune et qui ca utile bat bravo pour la jeunesse et nous pas obligé seulement à faire émission yo avec monde qui en Haïti seulement c'est pas parce que nous minimiser yo mais nous quoi que yon ka apprendre de l'autre et moi content d'est-ce que nous participer dans émission ça ensemble moi pas quoi ces derniers ans m'a chercher l'autre monde l'autre jeune qui dans réseau moi pour moi faire nous découvrir tout m'gè doit parler tout temps et mais mon quoi que nous a avancé et là n'a fait genre de live ça yo s'il vous plaît partagez un petit peu plus live là me connais Morvan nous plus apprécier Morvan parce que Morvan parle plus bagaille Haïti mais faut nous ca accepter bagaille cap instruit nous tout comme peuple parce que haïtien souvent yo remet tout ça qu'a fait zin mais depuis de ces instructions qu'il a moun nan disparaît fait faut nous penser avec genre de bagaille ça yo moi remet nous al like page Kerma moi-même page compagnie m'lan m'gè 127 000 likes sous li c'est élégance beauté fierté et élégant EBF élégance beauté fierté moi gè 127 000 likes là sous li fait moi-même tout nous même si nous pas parler souvent de l'entrepreneuriat parce que militantisme là elle prend plus ampleur ces derniers temps c'est ça mais je suis une entrepreneur organiser défilé de mode son bagage qui très important pour moi moi faire des séries de bagages pour investissement tout yo important pour moi nous c'est jeune nous c'est moi même pas jeune encore parce que j'ai 38 ans là moi commencer grand monde depuis me fin faire petit grand monde moi-même fait ma jeune toujours n'a travail moi saluer tout le monde qui font
bagay positif dans société a, tout moun ka fon bagay positif dans communauté a. Merci pou tout moun ki te participé pou te mette radio sa kampe, parce que c'est important pou di yo merci. Merci pou tout moun ki te participé pou mette radio sa kampe, ki investi l'argent de A à Z nan radio a. Mwen bientôt fòk nou commence paye moi, parce que m pral fè petit, nge petit pou m'okipe. Lèm vin laf, c'est temps m'ap pèdi. Fòk nou commence bay radio a l'argent pou m ka paye okipe petit. C'est sa conclusion là. Moi remen nou m pa konn si m'ap la semaine prochaine, et puis Jefferson semaine ça pas emmerdé. En passant Jefferson célibataire hein. Oh oh oh. Y a qui j'en lagué bay là. Ça frère et au konn ça m'apprécie a, moi grand pile jeune ici, qui vive Québec, qui t'a même voulu participer dans l'émission, qui t'a un jeune qui écrit, qui est un bon sujet parce que c'est lycée expert dans le domaine, non? Okay. Je dis pas qu'il y a un problème, ça fait un plaisir que vous me recevoir. Tout jeune que qui est dans Montréal et qui t'a voulu participer, qui a un sujet extrêmement important, nous mettons écrit Messenger, parce que je suis Claire, c'est Claire Stéphania qui sont écrit. Nous mettons écrit, ça fait un plaisir, on a discuté ensemble parce que c'est ensemble. Sans attends, attends. Sans... Non, c'est juste un bagage m'a modifié. Excusez, oui, me dit un bagage gon moun ki gè les prendre mal parce que me dit comme ça c'est zin. C'est pas c'est une façon de parler guys, pas prendre tout bagage au mot à mot et faut que nous comprenne sans samedi, hein. Pas prendre mal. D'accord. N'a pas le tout Guy Danis qui salue aussi Anastasia. Merci. Que nous t'ai recevoir dernièrement, qui sont québécois mais qui connaît un pile l'histoire d'Haïti. Hein. Et puis une grande page tout que technicien même conseiller me fait forme et page pam là Anastasia pas Facebook moi non page pam là page personnelle moi pam là c'est Jefferson jeune officiel unlikely parce que Anastasia Marcel et tout pas Facebook non mais ma musique sortira bientôt et Anastasia mes amis Timon nous parle de des dans Montréal musique. Ouais. On connaît tes gérants d'artistes. Ah, super. Ouais, oui. Oui, j'ai une musique, une très belle musique avec un bon un rappeur québécois. Ouais. Bah, sérieux. On va blaguer non. Beaucoup. Mais on va te dire bah, sérieux, même Anastasia dans mon musique. Ouais, Jésus. Ah, alléluia, chapadapatap. Bon, et nous connaissons même nous en pile haïtiens haïtiennes et faut nous vraiment penser, faut que nous épargner petit cob nous. Faut qu'on investit, pas hésiter à écrire un jeune Takou Kerma. Un jeune Takou Kerma qui n'a question entrepreneuriat, qui n'a question d'investissement, écrit la carrière de nous. Pas oublier à lire et au ensemble de monde, à l'acheter, disons, ouvrage Père Riche et Père Pauvre, Warren Buffett, un ensemble d'ouvrages importants. Au lieu que nous chita sur Facebook, sur les réseaux sociaux, le nous gonti bout internet, monde qui en Haïti, à chercher zin pour nous griller dans nous, à chercher histoire, monde qui réussit déjà. Regardez comment ils réussi. Moi, même grand pile monde que moi qui réussit, il est parti de zéro. De zéro. Il y a plusieurs grands et magma en immobilier et que investisseurs en immobilier m'a suivi Québec. Que tu es Ghislain La Rochelle, que tu es Stéphanie Milo. Tout le monde est parti de zéro. Sans une goutte. Et que vous capable d'investir sans qu'on ne compte, il suffit qu'on gagne les idées. Et mettez-nous ensemble en réseau, moi ça fait extrêmement mal. L'homme rivé, Montréal, pour que l'argent ici après du travail. Là, on n'a pas encore. Oui. Ça fait mal. Il faut que jeunes haïtiens qui sont à Montréal, qui sont à Québec, et que mettez-nous ensemble, faut que nous investissions, ou même qui Chili, parlez avec Zamion, commencez à épargner, exactement, République Dominicaine. Pas dépenser gaz pour aller au marché haïtien, puis on aller dans Sami Free. Exactement. Pas payer bah, ça, il faut nous faire un effort collectif. Faut que nous dépenser, faut que nous faire sacrifice. Exactement, il faut que nous osions tout. Le monde nous appartient. Oui. Et que si le monde nous appartient, il faut ne pas faire oser, il faut ne pas faire créer. Bon, technicien, vous voulez aller. Merci tout le monde. Moi-même, comment c'est pas caché là encore? Timoun, ça a commencé à descendre en bas, les biscuits, les merci tout le monde, merci beaucoup, Kerma. Merci infiniment. Merci de m'avoir reçu. Je suis sûr que plusieurs jeunes ont contacté vous. Même moi, j'ai contacté vous. Contacté non, mais t'es loin, Kerma, oui. Bon, je ménage, hein. Je ménage, je suis célibataire. Je vais profiter de ça, le ménage. Je suis toujours là, toujours derrière. Je vais nous demain. C'est tout un homme. 11h. 11h, expopreneur. Merci, merci Kerma, merci Anastasia, merci les gagneurs, merci technicien, merci Morvan, merci à nous tous qui t'a suivi l'émission ça, merci tout le monde qui Chili, Haïti, en République Dominicaine, au même café kidnapping en Haïti, il va maintenant nulle part, c'est des tuables, des tuables pays, on met mais ensemble, nous sommes seuls, c'est Haïtien, c'est nous pour refaire pays, bonne semaine, à samedi prochain.
Chaque samedi sur radio Bagravo pour la jeunesse. Qui ça qui dit? Qui ça qui a fait? Toute actualité semaine, non? Non, nouveau calcul. Chaque samedi, sorti 6h pour arriver 8h dans le soir, Jefferson Jeune à collaborateur qui c'est Jean-Hérard Le Gagneur a porté pour sous BBG International émission Nouveau Calcul. C'est ça. C'est une émission analyse, débat et recommandation sur tout enjeu qui est vital pour le pays d'Haïti. Éducation, droit, économie, environnement, géopolitique et latrier. Émission Nouveau Calcul pour aider à comprendre enjeu si la pour qu'on prenne bon genre de décision qui n'a intérêt pays.